escutou como o Ubuntu, como o Ubuntu Gabe. Esteve, no mundo game depois. S'il vous plaît, vous pouvez commencer à partager les vidéos. Une bonne partage de vidéos, s'il vous plaît. Fais partager la vidéo s'il vous plaît. En attendant de recevoir notre invité, si vous avez la possibilité de partager la vidéo, je vous prie de la partager s'il vous plaît. Alors, je vous prie de partager la vidéo, s'il vous plaît, en attendant de recevoir notre cher invité aujourd'hui. Comme vous le savez, donc nous aurons comme invité M. Mahidi Gassama, ancien ministre de la Culture, donc sous le règne de Abdou Diouf. Donc, en attendant de recevoir notre invité, on va attendre d'abord qu'il y ait un peu plus de monde. Donc je vous prie de partager la vidéo, s'il vous plaît. Comme ça, je pourrai rejoindre notre invité. Veuillez partager la vidéo, s'il vous plaît. En même temps, je vous prie de préparer vos questionnaires, si vous en avez bien sûr. On va essayer de soumettre à notre cher invité aujourd'hui. On va tenter de répondre à vos questions. Donc, si vous avez aussi des questions, vous pouvez les préparer. Et voilà. Merci pour le partage. Merci beaucoup. Aminata Bao. Merci. Je vais partager la vidéo, s'il vous plaît, le temps que je reçois notre invité en ligne. Bonsoir, mère. Je vais partager la vidéo, s'il vous plaît. Merci. Alors là, je suis en train de joindre notre cher invité, comme vous le savez. Donc, oui, grand-père. Allô, oui, vous êtes disponible. Vous m'entendez? Ok, très bien. Bon, là, je suis... voilà, donc je vais commencer. Je pense que vous êtes prêts. On peut commencer le direct, là.
Il n'y a pas de souci. D'accord. Et si vous pouvez régler un peu le son, parce que c'est un peu bas. Bon, Oui. j'ai mis le haut-parleur, Vous mais ce n'est avez pas la peine. mis le haut-parleur. Non, c'est pas la peine. C'est moi qui vais mettre le haut-parleur à mon niveau, en fait. Bon, dommage, j'ai mis ça parce que comme Oui, le son bon. est trop faible. Effectivement, oui. Là, vous m'entendez mieux quand même, j'espère. Je vous entends, oui, quand je mets le haut-parleur. Ah, quand vous mettez le haut-parleur, vous m'entendez. D'accord. Bon, Quand là. je le mets, oui. D'accord, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre le haut-parleur, ça ne me dérange pas. Voilà, c'est ça, oui, OK. d'accord. Alors, je vais demander en même temps les chers internautes s'ils parviennent à vous entendre quand même. Est-ce que vous l'entendez, s'il vous plaît? Vous entendez notre cher Ah, invité? je pense qu'il entend, non? Parce que j'ai mis le téléphone en haut-parleur. Bon, je ne sais pas. Moi, à mon niveau, je vous entends très bien, mais j'attends le retour pour qu'il me fasse, Le retour, pour oui, qu'il me, d'accord. fasse signe si il vous entend. Cher internaute, est-ce que vous entendez notre invité? J'ai besoin juste que vous me fassiez signe par message. Est-ce que vous l'entendez, s'il vous plaît? Alors, cher internaute, j'aurais aimé que vous me fassiez un petit signe, donc, comme quoi que vous l'entendez. Monsieur Khadri, soit tonton LH Bafoudé, Gassama depuis France. Donc, est-ce que vous pouvez me faire signe? Parce qu'en fait, grand-père, je vous rappelle qu'il y a pas, il y a pas mal de monde aujourd'hui qui sont en train de nous suivre. Ah, très Ouais, bien, très notamment bien. votre fils, donc LH Bafoudé Gassama depuis la France. Ah, mais c'est très bien, Voilà, c'est donc très nous bien. sommes suivis un peu partout dans le monde, d'ailleurs jusqu'à Massassou. Ah, voilà, très Voilà, bien. à Kolda, partout, hein, partout. Ah, Alors voilà, là, ils très me bien, font signe comme c'est quoi que c'est bien. OK, donc ils vous entendent très bien. Alors là, voilà, donc, chers internautes, comme d'habitude, donc aujourd'hui, nous avons comme invité Monsieur Mahili Gassama. Donc, d'ailleurs, je pense que tout le monde le connaît. Donc, il fut, voilà, il fut ancien ministre donc, de la Culture sous le règne d'Abdou Diouf. Donc, aujourd'hui, voilà, je vous laisse, voilà, donc, saluer nos internautes grands-pères. Comme ça, avant de se lancer dans le vif du sujet, comme vous le savez, aujourd'hui, notre émission qu'on a intitulée L'histoire de nos légendes. D'accord. Alors, grand-père, bonsoir. Ah, bonsoir. Voilà, donc je vous laisse saluer nos chers internautes qui nous suivent un peu partout dans le monde. Voilà, je les salue tous, tels qu'ils sont, surtout que ce sont mes enfants, mes fils, mes neveux, mes cousins. Je leur dis bonjour. D'accord, parfait. Alors là, il vous dit bonsoir. Donc, grand-père vous salue. Donc, je pense que vous l'avez entendu, ces salutations. Donc, je rappelle que M. Mahili Gassama, vous êtes né à Marsassou. Alors, le 16 juillet 1943, c'est bien ça. Alors, vous êtes professeur certifié de classe exceptionnelle. Donc, je vais essayer de faire un tout petit peu votre portrait pour nos internautes qui sont en train de nous suivre. D'accord? Alors, parfait. Alors, vous êtes professeur certifié de lettres de classe exceptionnelle en 1992. Donc, vos études secondaires, bien sûr, vous les avez faites au lycée Faidherbe de Saint-Louis et lycée Blesdingue de Dakar. Donc, les études supérieures, bien sûr, c'est à l'université de Dakar, université de Paris-Sorbonne. Monsieur Mahili Gassama a successivement occupé des fonctions comme suit: directeur des lettres de la propriété intellectuelle, directeur du centre d'études des civilisations, premier conseiller du président Léopold Sédar Senghor, directeur général de la revue éthiopique, revue trimestrielle de culture négro-africaine, fondée par le président Léopold Sédar Senghor à 1980 jusqu'en 1982. Vous étiez aussi directeur général de la culture à l'Agence internationale de la francophonie de 1982 en 1986, bien sûr, ministre de la culture du Sénégal 1989 en 1994, président de la Confédération générale extraordinaire de l'intergouvernementale de la francophonie. Vous étiez aussi ambassadeur du Sénégal en Guinée-Conakry, 89-94, représentant sous-régional de l'UNESCO, avec résidence à Libreville, Gabon, bien sûr, 1998-2006. Alors, vous avez aussi fait des publications, bien sûr. Vous êtes essayiste et vous êtes aussi auteur de nombreux articles de vulgarisation. La presse africaine et occidentale. Et auteur aussi de, voilà, de Kouma, interrogation sur la littérature nègre de la langue française. Vous êtes aussi auteur de la langue d'Ahmadou Kourouma, ou le français sous le soleil d'Afrique. Politique et poétique au sud du Sahara. L'Afrique répond à Sarkozy. 50 ans après, quelle indépendance pour l'Afrique?
mélange offert au professeur et l'homme d'État Hassan Seck. Émile Badiane, le paysan, l'éducateur, l'homme d'État, vous êtes aussi co-auteur de plusieurs ouvrages sur la culture. Alors, je pense que voilà. Je pense qu'on a essayé quand même de faire un tout petit peu le portrait de votre parcours, mais aussi on rappelle aussi que vous êtes voilà vous avez aussi des ouvrages en préparation actuellement, si je ne me trompe pas. Donc des ouvrages comme Les raisons d'espérer en Afrique subsaharienne, c'est bien ça. L'entre-deux-langues de Léon Gontard Damas, Ahmadou Kourouma. Essai anthologique de la pensée de Léopold Sédar Senghor, recueil de fables africaines, dictionnaire anthologie de la pensée négro-africaine. Alors, vous avez aussi fait, entre autres, d'autres activités comme par exemple animateur de l'émission Un livre par semaine de Radio Sénégal. Vous êtes aussi créateur de l'émission Regard, première émission culturelle de la télévision nationale du Sénégal. Alors, vous êtes aussi initiateur du projet Centre de lecture et d'animation culturelle. Donc, de l'Agence intergouvernementale de la francophonie. Et aussi, vous avez reçu comme distinction, bien sûr, vous êtes médaillé de l'Ordre du Mérite du Sénégal, Ordre de la Pléiade de l'Association des parlementaires de langue française. Vous êtes chevalier dans l'Ordre des Arts et Lettres de la République française. Vous êtes aussi médaillé de l'Université de la Sorbonne et aussi médaillé de vermeil du Conseil européen parlementaire. Donc, je pense que. On a quand même essayé de respecter un tout petit peu et être fidèle à votre portrait. Grand-père Mahi Gassama, qu'est-ce que vous avez à ajouter dessus? Alors, je n'ai bien Parfait, ajouté. très bien. Alors ça. Disons que tout ça, Oui. avec toutes ces fonctions-là et autres, Oui. pour moi, ce n'est pas significatif. Effectivement. Plus significatif, c'est d'avoir été conseiller Oui. d'un homme d'État comme Léopold Sédar Senghor. Oui. Ouais, nous aurons l'occasion certainement D'en de parler. Très bien. nos relations avec de mes relations avec Senghor. D'accord. Voilà. Très bien. Alors là, dans un premier temps, nous allons d'abord aborder votre enfance, grand-père. Vous êtes né dans une famille fortement islamisée et à une période où l'enseignement coranique imposait ses lois, bien sûr. Donc moi, j'aimerais savoir par quel miracle êtes-vous parvenu à fréquenter l'école française? Ni moi d'ailleurs, ni Est-ce que vous cousins qui l'entendez? étaient entrés, Oui. ni mes cousins qui étaient entrés à l'école la même année que moi. Oui. On n'était pas heureux du tout de prendre le chemin de l'école. On en avait même honte. D'accord. On en avait honte. Donc, quand on partait à l'école, je me souviens bien, au lieu de prendre la grande rue qui conduit de chez nous à l'école, qui est très droite, Oui. c'est une rue extrêmement large. Tous ceux qui ont connu Alsace le savent. Oui. Alors, au lieu de prendre cette rue-là qui traverse tout le village, nous prenions des routes, des ruelles de Oui. contournement pour ne D'accord. pas rencontrer des gens. D'accord. Si je comprends, lorsque vous partez, vous vous rendez à l'école, par exemple, donc vous partez en cachette, en fait, pour ne pas que Ah, en les gens cachette, vous ouais, voient. c'est pour vous dire que nous partions en cachette. On D'accord. partait en cachette, nous on avait honte d'y aller. Voilà, Honte de qui, c'est un pareil? Honte de qui? phénomène curieux. Oui, c'est à nous. Nous étions honte de nous rendre à l'école D'accord. avec toutes les idées que nous étions sur l'école. Sous l'école. Parce que le problème est le suivant. D'accord. En fait, l'école française a été connue à travers l'enseignement catholique, Tout chrétien. à fait. Voilà, c'est-à-dire les premiers enseignants Oui. dans nos pays, c'était des chrétiens. C'était D'accord. l'Église, des hommes D'accord. d'Église. Alors, donc, en même temps, il y avait des cours de catéchisme. D'accord. Donc, qui allait à l'école Oui. était, en quelque sorte, le terme n'est pas exact, c'est le terme qu'on employait, En fait, était, c'est... en quelque sorte, un cadre. D'accord. Voilà. Alors, issu d'une famille Maraboutique. assez prestigieuse au plan islamique, Fortement islamisé, tout à fait. vous voyez ce que ça nous fait sur nos épaules en partant à l'école. Tout à En fait. rencontrant des gens, d'autres se moquaient avant. Je comprends. Voilà la question. Voilà pourquoi on allait la tête baissée, la tête basse. Et
Donc ça, c'était à Marsassou? Oui, c'était à Marsassou, ça. D'accord. Ben, sur Donc, l'école primaire, je ne parle pas de l'école secondaire. oui, l'école primaire, bien sûr. Donc à Marsassou, avant, il y avait des écoles privées catholiques à Marsassou, avant. Non, il y en avait, oui, il y en avait, il y en avait, il y en avait. Là, D'accord. Nous... mais nous, ça existait, mais en fait, au moment où nous rentrions à l'école, Oui. il n'y avait plus de catéchisme dans les écoles Dans publiques. les écoles. D'accord. Alors, la révolution en France avait déjà eu lieu. Tout à fait. Donc, il y avait une séparation nette de l'État et de l'Église. Mais D'accord. nos parents ne le savaient pas. OK. Non, de nos milieux, des milieux dans lesquels nous évoluions à l'époque, nous ne le savions pas. On pensait toujours que l'école est entre les mains de l'Église. L'Église, tout à fait. Alors que ça a cessé d'être entre les mains de l'Église depuis la grande révolution française. Tout à fait. Voilà. D'accord, parfait. Très bien. Alors là, nous, on pensait qu'en fait, Massasoum, c'est récemment qu'ils ont commencé à avoir une école privée catholique. Donc, il semble que ça fait très longtemps qu'il y avait des Non, écoles non, privées non, depuis tiens. lors. Il y avait le, quand même, il y avait le catéchisme dans une école primaire de Marsassou. D'accord. Il y avait une école, ouais, il y avait l'enseignement chrétien. Tout à fait. Là, voilà, ça existait, ça existait. D'accord, parfait. Mais ce n'est pas ça qui a influencé, c'est l'histoire même de l'école. C'est-à-dire l'histoire de l'école, c'est le problème de l'existence d'une école à l'époque catholique, ça, c'est insignifiant. Mais ce qui est significatif, Oui. c'est dans l'histoire, la conception que nous avions de l'histoire de l'école en D'accord. Afrique. Voilà. D'accord, j'ai Donc compris. l'école, vraiment, c'est la chose de l'Église. Voilà. D'accord. C'est-à-dire qu'il y ait maintenant l'Église qui continue à enseigner ou pas, ce n'est Oui. pas le problème. Mais l'école, c'est la chose de l'Église. L'Église. Voilà. D'accord. De Donc, ce la qui veut religion dire, chrétienne. donc, tout à fait, Voilà. ce qui veut dire que nos parents, à l'époque, en fait, ils faisaient allusion comme quoi que les élèves qui fréquentaient l'école, bien sûr, Mais c'est, bien voilà, sûr, vous allez automatiquement bon, peut-être écoute, devenir catholique. très rapidement, je vous raconte à ce sujet-là, Allez-y. pour que vous puissiez bien comprendre. N'y a pas de souci, C'est-à-dire que, allez-y. vous savez, le nez de mon père, Oui. et El Hadj Dia Diaby, Diaby Taslima, oui, il est actuellement à Tassirima, il est effectivement, actuellement à le Khalifa Tassirima, Taslima, oui. et qui a plus de 90 ans. Mais lui, il y avait un instituteur à l'école, qui était justement le grand frère de Hassan Seck. Oui. Il tenait absolument que les enfants de mon père aillent à l'école. Avec la conviction intime que la nouvelle ère qui va s'ouvrir, D'accord. ce sera vraiment l'ère des instruits. Ceux qui ont été à l'école, ceux qui ont appris quelque chose. D'accord. C'était sûr et certain de cela. Alors donc, pour que les enfants de mon père fassent partie vraiment de l'élite du pays, il tenait absolument, c'est un malentendu extraordinaire. Il Extraordinaire, a tout à tenu fait. absolument que ces enfants soient allés à À l'école. l'école. Mais le problème, c'est que, contrairement à ce que vous pouvez imaginer, mes parents, à l'époque, justement, l'ont considéré comme presque un adversaire, un ennemi, D'accord. qui tenait vraiment à souiller la famille. La famille, tout à fait, j'ai Voilà, à compris. souiller, le terme est tout à fait juste. Tout à Il fait. est fort, il est tout à fait juste. Tout à fait. Donc, il tenait à souiller la famille, alors que c'est tout à fait le contraire. Le contraire, tout à Alors, fait. qu'est-ce qu'on a fait? On a substitué à Alain Tidia un autre enfant. On était cousins Oui. qui étaient prêts à aller à l'école à l'époque. Bon, on l'a envoyé là-bas au nom de Tidia Djadi, Tidia Gassama. Si de que ça Ouais, Tidia Gassama, alors que ce n'était pas, il s'appelle Maran Nangui. Ah, ok. Voilà, ce n'était pas Malanan qui Nangui. a zigué un soir, d'accord, oui. Voilà. Alors, Maran Nangui est allé là-bas sous le nom de El Hadj Allez, Tidia. Sidia. Il a subi l'enseignement pendant un mois, 2 mois. Ah Et puis sinon, il a fui. Et comme ses parents se trouvent en Guinée-Bissau, oui? il a fui. Il est allé en Guinée-Bissau. Guinée-Bissau, tout à fait. Voilà. Alors, vous voyez, c'est pour vous dire que à l'époque, l'école, ce n'est pas quelque chose de prestigieux comme maintenant ou comme maintenant. Ouais, maintenant, parce que maintenant tout le monde incite ses enfants à aller à l'école. C'est pas comme avant, en fait. Tout à fait. Absolument. Ouais, tout à fait. Absolument. C'est normal, oui. Parfait, très bien. Merci pour d'avoir répondu à cette question, bien sûr. Je pense que c'est clair. Alors là, vous pouvez quand même nous parler de votre cursus scolaire et les principales difficultés, bien sûr, que vous aviez rencontrées en dehors de ce que vous venez de citer. Je voudrais quand même me revenir sur cette Sur histoire parce que oui, la première question, oui. ça me semble extrêmement important pour Important, tout à fait. Allez, allez-y. Allez-y. Voilà, il y en a qui ont deux enfants à l'école, donc ça pose des questions. Mais vous savez, mon père est au Marabout.
l'idée ne venait à personne à l'époque. D'accord. Dans la communauté Garanke, oui. La communauté Garanke, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Mali, que ce soit en Guinée, que ce soit en Côte d'Ivoire, l'idée ne venait à personne d'envoyer ses enfants à l'école. Il faut vivre maraboutique, surtout du rang de mon père. C'était inimaginable. Et quand mon père m'avait, on a dit des maraboutes. Il y en a qui s'est déplacé de très loin pour venir s'assurer que c'est vrai. Et il l'a fait. Alors ça, ça a été condamné par toute la communauté d'Arranquès. C'est condamné d'abord par les propres talibés de mon père. Et condamné également par nos propres frères, grands frères. Tout à fait. Cousins et autres, ils condamnaient irrémédiablement. Si je me rappelle encore, l'âge Caramba, au Caramba, un des grands érudits de la famille, Oui. Mais enfin, érudit de la famille. Mais lui, il a pleuré presque. Il a pleuré. Le fait que vous, vous fréquentiez l'école. Moi, oui. Voilà. Et il comptait beaucoup sur moi en pensant que vous serez un érudit, n'est-ce pas, dans les études islamo, effectivement, oui. Alors, quand on travaillait, mon cousin, oui. Marlili, il s'appelle aussi Marlili, oui. Le fils de mon oncle, à l'âge Bakoumo, oui. Alors, quand on travaillait la nuit, dans nos cases, oui. Il venait, il frappait à la porte. D'accord. Alors, il nous interdisait de continuer à lire des choses. À réviser, en fait, oui. Voilà. Non, nous révisons, il est arrêté. D'accord. Et ça le choquait, il était énervé. D'accord, je vois. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Tout à fait, oui. C'est au contraire. Effectivement. Il misait sur nous. Oui. Et il comptait beaucoup sur nous. Et alors, donc, il pensait que le père, c'était comme un prophète. À l'époque, en fait, je rappelle que vous n'étiez pas le seul dans la famille. Vous n'étiez pas le seul à l'époque. Vous avez vos frères aussi qui avaient fréquenté l'école. Oui. Non, je n'étais pas seul. Je suis entré avec mes deux cousins. Ils s'appellent tous Mahili. Mahili, d'accord. Ah, les deux, ils s'appellent Mahili. Moi, j'étais Mahili numéro 1 parce que j'étais un peu plus âgé que. Oui. Et le Mahili numéro 2. Mahili numéro 2. J'étais inspecteur des impôts. Ah, d'accord. Inspecteur, oui, oui, je connais, oui. Oui. Voilà, c'est le Mahili numéro 2. D'accord. Mahili numéro 3. A été enseignant et bien sûr actuellement. D'accord. Ah oui. D'accord. Azigensor, tout à fait, oui, je connais aussi. Voilà. D'accord. C'est dire que voilà, vous tous pratiquement, vous avez quand même réussi quand même. Oui, tout à fait. D'accord, tout à fait. C'est après que vos petits frères sont venus, après, voilà, ils ont eu le courage quand même de s'inscrire. Et puis, on a eu quand même, je l'avoue, on avait eu, aux yeux de nos parents, on a eu quand même. Nous trois, Mahili 1, Mahili 2, 3, oui. On a eu des comportements qui semblaient exemplaires à leur style. Effectivement. Donc, ça, on peut éteindre la crainte de nous voir nous prostituer au contact de la culture occidentale. Effectivement. Et les préjugés que les hommes faisaient de l'école française aussi. Voilà. Effectivement, je comprends. Ils commençaient à changer d'idée. On avait aussi des grands frères. Oui. Oui. Surtout, Souareba, oui. Un de nos grands cousins, mm-hmm. à qui vraiment nous défendait la cause de l'école. D'accord, très bien. Allô? Oui, je vous entends, oui, suis à vous. Il défendait énergiquement la cause de l'école. D'accord. Il y a aussi des gens qui les soutenaient. D'accord, oui, oui, forcément, il y aura des gens qui... Mais par contre... Nous avons ainsi poursuivi nos études dans des conditions artistiques quand même, très tendues. Il y a beaucoup de tensions sociales. Et quand, je me rappelle, on faisait des révisions pour passer le CEP et l'entrée en 6e, oui. On a quitté la maison. On passait la journée et la nuit dans une boutique d'un de nos frères, oui. Au marché de Massafou. D'accord. C'est là-bas que vous cassez pour faire des révisions. Sinon, on nous empêchait de travailler. D'accord. Ouais. Mais par amour pour nous, c'est pas... Oui, je comprends. Voilà, c'est... Aujourd'hui, si tu empêches un enfant de travailler à l'école, alors tu es vraiment méchant, tu ne veux pas de lui. Ouais. Non, c'était le contraire. Ouais.
décidé pour nous sauver. Ouais, tout à fait. Voilà. Très bien. Alors, c'est dire que voilà, ça n'a pas du tout été quand même facile, voilà, de fréquenter à l'époque C'était l'école pas facile, française. vraiment, c'était pas Voilà, facile. donc ça a été Exact. vraiment un miracle après, voilà. Ouais. Vous êtes parvenu quand même à réussir à traverser bien sûr ces miracles. Et je rappelle aussi qu'à l'époque, votre papa, par contre, lui, n'était pas au courant. Au courant de quoi? Le fait que vous étiez à l'école en ce moment, lorsque vous cassiez en fait pour aller à l'école, parce qu'il y avait des complices quand même qui, lui, il n'était pas au Ah courant, non, c'était c'est pas notre lui. père qui nous a inscrits à l'école. Ah, c'est bien lui qui vous avait Ah inscrit non, à c'était l'école. lui qui nous a inscrits à l'école. C'est D'accord. pourquoi il y a eu cette grande émotion dans la communauté d'Arvaki. Ok, j'ai C'est compris. lui-même qui a pris. Parce que mon père était balistique. Il était monté sur ceci. Il a fait la Mauritanie. Il Ah. s'est rendu compte que tous les grands marabouts, tous les grands érudits de la Mauritanie, leurs enfants vont à l'école. D'accord, j'ai compris. Et où leurs enfants ont été de grands fonctionnaires. D'accord. Il a connu le père du premier président de la Mauritanie, Oui. Oul Dada. Effectivement, Il a Oldada. connu son père. Tout à Et fait. il a connu son père, il a connu l'enfant, et cet enfant-là est devenu président de la République. Donc il a vu tout ça. Et quand, au cours de ses pèlerinages, il traversait les pays arabes, il était en Arabie Saoudite. Il a vu que même les prêtres de là-bas, ils ont envoyé leurs enfants dans les grandes écoles anglaises. C'était à Londres, ils étaient ailleurs. Alors, ils s'étaient dit, mais il y a quelque chose qui se passe dans ce monde-là. Il vaut mieux plutôt que nous aussi, nous soyons parmi, comment encore, qu'on prévoit l'avenir. Oui, Voilà, parmi ceux qui prévoient l'avenir, tout à parce fait. qu'il va se passer quelque chose. Effectivement, cette chose-là s'est passée aujourd'hui. C'est passé Mais aujourd'hui, tout à qu'est-ce qu'il fait. faut faire aujourd'hui sans avoir été à l'école? Même si tu veux être un bon menuisier, il faut savoir écrire au moins, même en enveloppe, hein, Ouais. mais que tu ne sais pas tellement. Parce que l'instruction, ce n'est pas seulement dans la langue anglaise, Anglais, oui. française, hein, ou bien arabe, c'est Tout à dans toutes les langues. fait. Tout à fait. Dans toutes les langues. L'essentiel, c'est que tu saches écrire et essayer de noter des choses, correspondre avec quelqu'un, n'est-ce pas, à travers le papier, et ainsi de suite. Voilà. D'accord, parfait. Alors, quand il a vu tout ça, il s'était dit, bon, mais je ferai comme mes enfants, les trois Mahlili, Oui. c'est-à-dire nous qui portons le nom de leur De père. leur père, Parce oui, qu'en tout à fait, fait, les oui. Mahlili, c'est le nom de leur père, le Oui, tout à belle-père fait. de nos pères. Oui, tout à fait, c'est-à-dire de Voilà, votre grand-père, de quoi, en nos fait, pères, oui. voilà. Alors, donc, les trois cousins, chacun a donné le nom d'un de ses enfants. Et il s'est trouvé que nous suivions. Oui. Hein, on n'est pas, encore le décalage d'âge n'était pas du tout important. C'était insignifiant. Hein, donc, on était dans le même groupe. Moi, j'étais avec Marie-Dite, on était dans le même groupe d'enfants. D'accord. Voilà. On a Parfait. évolué dans les mêmes milieux, dans les mêmes groupes. D'accord. Mais vous étiez quand même un peu plus âgé que quoi, en fait. C'est ça. Un peu plus âgé que Marie-Lie 1, Marie-Lie 2, Marie-Lie aussi un peu plus âgé que Marie-Lie 3, D'accord. parce qu'on a pris tôt, parce que Marie-Lie 3 qui est entrée très tard, Très tard. très tôt, très tôt, D'accord. Marie-Lie 3, parce que c'est sa grande sœur qui a le même âge que moi. D'accord. Ah ouais, c'est ça, sa grande sœur qui a le même âge que moi, et puis ne vous fondez pas trop aussi sur les dates de naissance. D'accord, parfait. Parce que ça ne Oui. dit rien du tout, parce que nos Effectivement. parents, Oui, nos parents n'y étaient pour rien. Hein. oui. La date de naissance, vu que nous sommes nés en 1943, Oui. nos parents n'y étaient pour rien. Pour rien du tout, tout à C'est-à-dire, fait. tous les enfants qui sont entrés à ma station cette année-là à l'école, ils sont tous nés en 1943 Ah ouais? leur permettre de passer le CEP à l'âge requis. Alors, c'est Ils dire. sont tous nés en 1943, à tous nos amis. Tous ceux qui sont allés à l'école, dans le D'accord, groupe, toutes les personnes. sont nés en 1943. Alors, toutes les personnes qui avaient fréquenté l'école à votre époque, bien sûr, donc ils étaient Non, tous pas. nés presque en 1900. D'accord, j'ai Non, non, compris. pas à notre époque. C'est-à-dire la même année. La même année, tout à fait, je voulais Ceux dire, qui oui. sont entrés la même année, on les a inscrits la même année, ils sont tous nés la même année. Tout à fait. Voilà, ils sont tous nés. Non, ils ont simplifié les choses. Ouais, tout à Et puis fait. d'ailleurs, vous n'avez pas tout de suite l'extrême naissance. Hein, vous n'avez pas tout de suite L'extrême. Oui, voilà, l'acte de un naissance. certificat de naissance. Voilà, Oui, l'acte de naissance, vous n'avez pas tout de suite. tout à fait. C'est au moment où vous passez L'examen. le CEP et l'entrée en sixième D'accord. qu'on exigeait ces pièces-là. D'accord. Donc, on établissait aussi, dans la même année, on établissait ces pièces.
D'accord. Elle entrait en sixième, vous l'avez passée à Marsasoum aussi, non? Non, ce n'était pas passé à Mazou, c'était quelque chose de festif. Mais c'est une grande fête. Ça s'est passé à Sédhiou. Ah, Seydou. Imaginez tous les élèves de tout le canton se retrouver à Sédhiou pour passer D'accord. la 36e. Pour passer l'entrée en sixième, à l'époque. À l'époque, oui. C'était pas évident. Ah non, mais non, mais non, c'est pas. Non, non, si, c'est. Alors, puis tous les enseignants aussi étaient là, n'est-ce pas, pour faire passer l'examen. Mais je dis que c'était une ambiance festive. Mais comment vous faisiez en fait pour rallier Sédhiou, pour quitter Massasoum à l'époque pour rallier Sédhiou tout en Il y avait sachant les camions, il y avait les camions qui postaient la route. que. Oh, il y avait les camions, puis il y avait aussi ce qu'on appelait la postale. La D'accord. postale, c'est un bus qui quittait bien sûr pour aller à Kolda. D'accord. Ah, donc ça s'appelle la postale, oui, voilà, John Johnny. Alors, John D'accord. Johnny, voilà, qui avait ça, voilà. D'accord, c'est donc l'entrée en sixième, vous le passez à Sédhiou, hein, vous l'avez passé en fait Ah, à vous Sédhiou. passez à Tédou, alors avec, vraiment, il y avait des mises en scène absolument extraordinaires. Tout à fait. Quand on arrivait, par exemple, au cours de Barbassou, jamais il ne sera question, pour aller dans la classe d'examen, il ne sera jamais question de passer par la porte. Parce que pour nous, les Tédouas, on met des cris-cris devant la porte, parce que chaque école doit être première C'est du centre. extraordinaire, Voilà, ouais. Barsasson veut que le premier sorte de Barsasson, De Marsasoum. Seydou veut que le premier sorte de Seydou, et ainsi de suite des autres villages. Alors donc, on refusait de passer par la porte Par d'entrée, la parce porte que d'entrée, oui, la porte principale. et de l'eau bénite qu'on a versée là-bas pendant la nuit. C'est pas Alors donc, possible. on grimpait, Les murs. on sortait par la clôture. Oui. On escaladait la clôture, justement, pour rentrer. C'est pas Donc, possible. on peut arriver en grâce à Dieu, Extraordinaire. étant donné que la clôture est parfois haute. Ouais, ouais. Après, c'est bon, c'est amusant, Ouais, c'est voilà. extraordinaire. Alors, quand vous partez à Sédhiou, en fait, vous avez bien sûr, il y a une famille quand même là où vous logez à l'époque. C'est aussi, ils font partie de la famille ou pas? Pardon? La famille là où Là vous où nous logez à logions, Sédhiou, oui. ah non, on logeait chez dans des familles qui sont vraiment des familles amies, qui ne font D'accord. pas nous apporter quoi que ce soit de maléfique. Tout à fait. Ah oui, ah oui, Je comprends. oui. Ah Alors là, je oui. comprends Vous effectivement logez que. dans une famille là, c'est la famille chez de grands amis de mon père. Alors donc, on est bien protégé par la famille aussi, et qui veille sur nous. Parce que tu sais qu'on peut nous jeter on sort, qui fait que voilà, nous ne serons pas premiers. On peut être admis, mais on ne sera jamais premier du centre. Du centre, oui, tout à fait. Non, c'est de l'imagination. Ouais, c'était ouais, je Voilà, comprends. c'est vrai. Et aussi, je rappelle que vous avez aussi très tôt perdu votre maman, c'est ça? Oui, ça, mais je l'ai perdu quand même ça, un peu plus tôt. Hein. Un peu plus tôt. Bien plus tôt, avant notre entrée à l'école. Ah ouais? Parce que oui, c'est Dali qui est Dali, mon frère est Dali. Oui, grand-père est Dali. Était au sein, voilà, à l'été. D'accord, très bien. Donc, vous avez été élevé par votre tante, c'est ça? Oui, j'ai été élevé par une tante. D'accord. C'est une chose courante, hein. Ouais. Et Dali aussi a été élevé par une tante. Oui. Et ma soeur, qui vient juste après moi, Oui. a été élevée aussi par une tante, une soeur de mon père. Tout à fait. Mais ça, c'est des phénomènes qui peuvent exister même si la maman était vivante. Effectivement. Par exemple, mon frère Idrissa n'était pas élevé par sa mère. Tout à Il a fait. été élevé par la co-épouse de sa mère. Tout à fait. Voilà, donc c'est pas un phénomène rare. Tout à fait. Alors là, à l'époque aussi, vous faisiez les deux en même temps, c'est-à-dire l'enseignement coranique en même temps que l'école On française. faisait les deux, on faisait les deux en même temps. En même temps. Oui, on D'accord. Et faisait ça les n'a deux pas en même été temps. aussi très compliqué pour vous, j'espère. Pardon? Ça n'a pas été quand même très compliqué pour vous, si nous savons que, Non, par c'était pas exemple. compliqué, mais Oui. finalement, les études françaises l'ont emporté sur l'autre. Sur l'autre, oui. Pourquoi? Parce que c'est comme une sorte de défi qu'on lançait aussi à ceux qui Oui, étaient les détracteurs, en détenteurs fait, oui. de ce savoir arabe. Arabe, oui. Une sorte de défi qu'on leur lançait. Alors, donc, nous tenions absolument finalement à réussir. On n'a pas dit à partir de quel moment, parce que j'ai dit que nous allions à l'école, n'est-ce pas, dans un état assez bizarre. C'est-à-dire qu'on avait honte de nous-mêmes.
Voilà. Et ce que nous étions en train de faire, comme si on commettait un crime. D'accord. Alors, mais quand est-ce que cela a cessé? Quand est-ce que cela a cessé? Ça a cessé, c'est grâce à un instructeur. D'accord. Un instructeur, oui. Un grand pédagogue, un Saint-Louisien, et qui était venu. Parce que nous, on ne savait pas où nous allions, à quoi va conduire l'école. On ne pensait pas être fonctionnaire. Non, on ne pensait même pas, on ne sait pas pourquoi. Peut-être enseignant, parce que tout le couloir que nous voyons oui. près de nous, c'est oui. Celui des enseignants. Tout à Alors, fait. Donc, il y a cet institut-là qui s'appelle Touré, Alioune Touré. Alioune Touré, oui. Alioune Touré est de Saint-Louis. Un homme absolument extraordinaire. Ouais. Extraordinaire. Et quand il est venu, d'abord, c'est à cause de lui que moi, je me suis orienté vers le français. Parce qu'en tête, j'aimais beaucoup les mathématiques. D'accord. Ah non, c'était vraiment ça. J'aimais les mathématiques et je crois que j'avais de très très bonnes notes dans cette discipline. En mathématiques. Mais quand nous avons et je suis allé, avant d'avoir eu Touré comme professeur, comme instructeur, oui. Je suis allé voir mon jeune voir mon, je suis allé voir mon père, je lui ai dit, écoute, moi vraiment, c'est à ce moment-là que j'étais au CC. Je venais de faire la deuxième année. Oui. J'entrais en troisième année, je ne sais pas comment ça s'appelle ça. S'il y avait CI. Oui, CI. CP, C2. Voilà. Voilà. C1, C2, oui. Alors, je suis allé voir mon père, je lui dis, écoute, moi vraiment, cette histoire d'école là, je n'en veux pas, je vais sortir. D'accord. Il me dit, ah, moi, pourquoi? Je lui dis, parce que j'ai un instructeur que je n'aime pas. Oui. Ça, c'était oui. Qui était très méchant. Très méchant et qui nous frappait ça, sans raison. Sans raison, il avait une scope. S'il est derrière toi, il faut faire attention. Ouais. Il te donnait des coups de scope. Oui. Alors, donc, il est très méchant et d'une méchanceté gratuite. Ce n'est pas parce qu'il y a mal travaillé qu'il va te frapper. Non, c'est ça. Lui, c'est en fonction de ses relations avec vos parents. Vos parents, d'accord, j'ai voilà. compris. Alors, ça m'a pas plu du tout. J'ai vu mon père, je vais quitter l'école. Mon père me dit, non, tu ne sais pas encore écrire une lettre. Je t'ai envoyé à l'école pour que tu puisses écrire une lettre. Une lettre, d'accord. J'ai rédigé mes lettres, mais comme tu ne sais pas rédiger encore de lettres, il faut rester. Je suis resté. Oui. Et puis, après, il y a eu au CE2. Oui. Il y a eu cet instructeur à Touré qui est affecté à ma station. D'accord. Je crois que sans Touré, moi, personnellement, je n'aurais jamais poursuivre mes études. Poursuivre les études. Ah, il est venu, il parlait de Karim, des romans de Ousmane Sesseigneur. Il nous parlait des romans de Ablaï Sadji surtout. Ablaï Sadji, oui. Nini, etc. Alors, c'était ton rêve, c'était un autre monde qui s'ouvrait devant nous. Devant vous. Ah non, un autre monde qui s'ouvrait devant nous. On était heureux. Et il faisait tout pour nous faire plaisir. Les lectures, tout il prenait des craies. La craie actuellement, en ce moment, elle est sacrée. Quand tu as un monstre de craie, c'est précieux. Parce que ça va te permettre de travailler à la maison, d'écrire partout sur les portes et autres. Bon, alors donc, il prend un paquet de craies. Il dit, aujourd'hui c'est la lecture, les sciences de lecture. Celui qui lira le mieux, je lui donne le paquet de craies. Alors, c'est comme ça que c'est forcé. Et c'est comme ça qu'on a fait par élève ce que nous étions en train de faire. Je peux dire que c'est grâce à M. Touré aujourd'hui que vous êtes devenu ce que vous êtes. en grande partie, en fait, oui. Non, c'est lui. Moi, je redis. Ouais. En dehors de Dieu, c'est lui. Ouais. C'est lui. Tout à fait. Sans M. Touré, moi, j'aurais quitté l'école il y a longtemps. Hein. Parfait. Alors, au grand plaisir d'ailleurs de la famille. Voilà. Très bien. Alors là, vous avez obtenu votre entrée en 6e à CEU. Après, vous avez poursuivi vos études. C'était à Ziguinchor, c'est ça? Non, pas Ziguinchor. Parce que quand on a. L'entrée en 6e, ça a été très dur. Hein. Ça a été très dur. L'entrée en 6e, nous avons rempli nos dossiers d'inscription. Nous-mêmes. Et le papier a été signé, qui devrait être signé par nos pères. C'est nous-mêmes qui avons signé cela. À la place de nos pères. Donc, nos pères n'étaient pas au courant de l'examen de l'entrée en 6e. Alors que ce sont les parents qui devaient remplir ça, oui. Ils n'étaient pas au courant de notre candidature à l'entrée en 6e. D'accord. Ils étaient au courant de notre candidature au CEP. Parce qu'après le CEP, nous allons savoir écrire. En ce moment, on pourra quitter l'école. C'est l'école. Qui... Ouais. Voilà pour les télés. Or, avec Touré et autres, on a fini par aimer l'école. Donc ça a changé. D'accord.
Donc, si je comprends Ok. bien, alors vos parents vous avaient juste envoyé à l'école tout simplement pour apprendre à lire et Exactement, à même pas écrire. écrire, Oui. pour que je sache lire et écrire le français. Ouais, tout simplement. Voilà. Lire et écrire le français et que je puisse faire des correspondances pour lui Oui. et pour moi-même. Ouais. Voilà, que c'est l'avenir. Il faut et que je parle français avec qui ne comprend pas le mandarin ou le yaourké. Voilà, c'est tout. Et que c'est pour préparer mon avenir. Pour être un traducteur en fait quoi pour Voilà. voilà. Alors, donc, quand on a signé les papiers à la place de mon père, Oui. on les a envoyés à Séjour. Quand on les a envoyés à Séjour, le père n'était pas au courant. On était allé à Séjour pour passer l'entraînement. Et après, on a L'entrée. dit, sont partis, ils seraient au pays qu'on allait passer à Séjour. Vous l'avez fait en catimini, quoi. Ouais, en 4 minutes. Donc, nous sommes allés à Séjour, on a passé l'entraînement. Et nous avons tous réussi. On a réussi. Alors, comment dire maintenant annoncer cette réussite au père? Ah, ça, c'était ton problème. Et le directeur d'école qui était Drané, qui est un grand directeur d'école, et qui est de Séjour d'ailleurs, qui était de Séjour, a quitté ma station. Dès que les résultats d'entrée en sixième sont sortis, il a quitté ma station pour aller s'installer à Séjour. Assez you. Alors que l'école n'était pas encore fermée. Et c'est lui qui était le directeur de l'école. Et par peur qu'il l'a fait. Il n'a pas rencontré mon père. Mon père a envoyé quelqu'un le chercher. Mais quand on a appris qu'on était admis à l'entrée en sixième, on ne l'a pas trouvé. Oui. Donc il a fui carrément parce qu'il ne voulait pas être en face de mon père. De Ah non, 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 mais toute la votre famille, c'était une grande famille, père. comme vous Ouais. l'avez dit au début. Tout à C'est une fait. grande famille. Tout Donc à ses fait. frères, ses neveux, les enfants de ses frères, de ses grands frères, c'est tous là. C'est tous là. On les a tous réunis pour pouvoir le recevoir. Ah, ça c'est resté dur pour lui, hein. Et finalement, vous avez quand même réussi à passer Alors, finalement, il dit l'examen. qu'on ne parle pas, on ne parle pas. Ah, et là, j'ai passé quand même un phénomène bizarre. Moi, à cause des résultats que j'ai eus à l'entrée au CEP, Oui. le commandant m'a appelé et il m'avait beaucoup félicité. Il était Félicité. vraiment, on était allé le voir sur le conseil de mon père. Oui. Et il m'a vivement félicité. Oui. Et puis après, je suis allé à Séduire, je ne sais pas, à une autre occasion, oui. Oui. On a pris dans, oui, à une autre occasion, je suis allé à Séduire. Et j'en ai profité pour aller le voir. Et je suis allé, le Le commandant m'a dit, commandant en c'est pas question, oui. si facile que ça, Oui. mais avec mon père, non, je faisais mes entrées et sorties. Donc je suis allé le voir, et il m'a dit, alors, comment ça se passe? Tu prépares la sixième? J'ai dit, Oui. ah non, mon père ne veut pas que j'aille à l'école, que j'aille faire la sixième. La sixième. On dit au Sénégal, c'est-à-dire à Dakar, À Dakar, au nord. Quoi. oui. Voilà. Parce qu'en fait, il n'y avait que, à l'époque, il n'y avait que le lycée Blaise Diagne? Le lycée Blédiane. Non, Oui. non, le lycée Bangoulonnais. Le lycée Blédiane, oui. Oui, Le Blaise lycée Diagne. Bangoulonnais, le lycée Blédiane à Dakar. Oui. Et le lycée Federbe à Federbe à Saint-Louis, oui. Il y a que ces deux lycées à l'époque. Non, il n'y a que ça, il n'y a que ces trois. Ou Bangoulonnais, ou tu es à Bangoulonnais, ou tu es à Blédiane, ou tu es à Saint-Louis. Catastrophe. Donc, le gouvernement m'a dit, ah, bon, il ne peut pas aller. Je lui ai dit, oui. Bon, comme j'ai une mission à Ziguinchor, je passerai le voir. Effectivement, il est passé le voir. Il est passé le voir, ils ont longuement discuté. Et c'est le gouverneur qui l'a convaincu en lui faisant comprendre, mais écoute, comme tu veux qu'il passe de l'arabe, moi je vais te faire une promesse. Comme il a réussi à l'entrée en sixième, et comment dirais-je, il faut choisir, on lui a demandé de choisir lui-même. Moi, on m'avait demandé de choisir l'école où je veux aller, hein, le lycée où je veux aller. Poursuivre Parce vos que je n'étais études. pas boursier. Compte tenu de la situation de mon père, Oui. ils ont bien dit, m'ont envoyé une lettre comme quoi la situation de mon père n'appelle pas l'aide de la collectivité. Ouais, il faut poser les choses avec beaucoup de courtoisie. Tout Hein. à fait, absolument. Voilà. Ce n'est pas aujourd'hui, hein, Ouais, non. ouais, On écrit n'importe quoi. ouais. Alors, donc, et mon père, il a dit ça, il a dit, mais dans ce cas, il n'a qu'à choisir le lycée Federbe parce que si vous l'envoyez à Saint-Louis, Oui. il y a des cours arabes là-bas, parce qu'on Arabe, a la oui. quatrième. J'ai pensé Oui, à ça, oui. des cours arabes. Oui. C'est très intense. Il dit, D'accord. dans 2 ans, il parlera arabe mieux que ceux qui sont chez vous ici. Chez vous ici.
dans 2 ans, il parlera l'arabe complet et l'arabe classique. D'accord. C'est vrai d'ailleurs. Je vous coupe pas la parole, mais oui, ce qui veut dire qu'en il fait, faut accepter. oui, l'histoire avec l'enseignement, oui, allez-y. C'est comme ça que mon père a été que j'aille là-bas. Et que mon cousin m'a dit, c'est lui des impôts là demain. Oui, donc impôts et demain. Il a été attaqué au lycée de la Fosse. Mais au lycée de la Fosse, il n'est pas arabe. Maurice de la Fosse, oui. Moi, j'ai eu la chance d'avoir l'arabe. Lui, il n'a pas fait rien. Donc, on a laissé partir aussi. D'accord. Voilà. Ok. C'est comme quoi que voilà, l'histoire de Saint-Louis avec l'enseignement coranique, ça ne date pas d'aujourd'hui, parce qu'on voit quand même que à Saint-Louis, c'est une grande ville, bien sûr, là où l'enseignement coranique s'est imposé quand même. Hein. Oui. Non, mais finalement, je n'ai pas eu ce que mon père me souhaitait que j'ai. Non, je n'ai pas eu ça, parce que je suis allé, j'ai fait la troisième, donc l'enseignement arabe commence en quatrième. Jusqu'en terminale. Et moi, j'ai fait l'arabe en quatrième et en troisième. En troisième, nous avons passé le BPC, mais en troisième, il y a eu une grande grève. D'accord. On est parlé d'Ansoko. Oui. Les communistes. Les Ahmad d'Ansoko. Les Ahmad d'Ansoko. Oui. Oui. Un nom extraordinaire. Extraordinaire. Ouais. Les communistes. Alors, donc, ils ont mené une grande grève et qui vraiment a fait ébranler le régime de Senghor. D'accord. Donc, suite à cette grève-là, Wadio Ndiaye a été nommé ministre, ou il était plutôt à ce moment-là, ministre de l'Intérieur. L'Intérieur. Wadio Ndiaye. Il n'était pas de l'enseignement secondaire, supérieur. D'accord. Il était ministre de l'Intérieur. L'Intérieur. Et il a pris la décision de renvoyer dans sa région chacun des élèves qui étaient dans ses établissements. D'accord. À Saint-Louis. À Saint-Louis. Oui. Au lycée Fetter. Pas dans les autres établissements, mais au lycée Fetter. Alors, c'est comme ça que moi, il faut que j'aille en Casamance. Alors qu'il n'y a pas de lycée. Lycée en Casamance, tout à fait. Des gens de Kaolack à Kaolack, alors qu'il n'y avait pas de lycée à Kaolack. À Kaolack, oui. Ah, ben, c'est comme ça qu'on a artificiellement créé rapidement des classes de seconde dans les collèges. Ah ouais? Oui, c'est comme ça que alors, le lycée de l'établissement de Julien Chor ne s'appelait pas lycée, c'était ton collège. Collège de Dignabo, c'est ça? Non. Il ne portait pas le nom de Dignabo Bassène à l'époque. Non, oui. Il n'y avait pas le nom de Dignabo. Le nom de Dignabo était appliqué au lycée. Au lycée. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, donc, il y avait un collège là-bas. Il s'arrête en troisième. Et moi, je venais de faire la troisième. D'accord. Donc, moi et les autres Casamassiens, on nous a envoyés à Ziguinchor. À Ziguinchor. Et oui. On a ouvert à côté, on a ouvert artificiellement une classe de seconde. Alors, c'est vous qui avez ouvert une classe de seconde à Ziguinchor, dit comme. À Ziguinchor, on a ouvert une classe de seconde. Et c'est là qu'on avait un lycée. D'accord. Après, moi, j'ai quitté et je suis allé au lycée Fédère. Fédère. Au lycée Romain-Nobel. Ah d'accord. Et pourquoi vous avez quitté pour aller au lycée Fédère après? Non, vous venez de quitter le lycée Fédère pour venir. Ah d'accord, vous venez de quitter Fédère, exactement, pour venir à Ziguinchor. Voilà, au lycée de Ziguinchor. Ziguinchor, d'accord. Après le lycée de Ziguinchor, pour passer le baccalauréat. Oui. Je suis allé au lycée Fédère. Ah. Au lycée Bambolo-Nobel. D'accord. Et vous allez. Au lycée Bambolo-Nobel, pour quelle raison, je ne voulais pas rester là-bas. D'accord. J'ai quitté pour aller au lycée Fédère, au lycée, comment dirais-je. Blaise Diagne. Et c'est à Blaise Diagne que j'ai passé le baccalauréat. Le baccalauréat. Et ça, justement, l'histoire de l'arabe m'a rattrapé au baccalauréat. Au baccalauréat. Oui, parce que comme je vous avais dit qu'il n'y avait pas d'arabe dans les autres établissements. Oui. Il n'y a arabe qu'au lycée Fédère. Fédère de Saint-Louis. Et on nous a renvoyé du lycée Fédère pour aller dans nos régions. Oui. Après les régions, je suis venu non pas retourner non pas au lycée Fédère, mais à Dakar. Oui. À Dakar, il n'y a pas d'arabe. Donc ça veut dire que, après la troisième, seconde, première, terminale, c'est pas fédéral. Or, j'avais arabe comme première langue et anglais comme deuxième langue. Donc au baccalauréat, ça pose des problèmes. Oui. Les gens qui les m'ont appelé, là où il y avait une concurrence entre les établissements, il y avait une concurrence, une circonférence saine qui n'existe plus. Qui n'existe plus. Mais elle est saine. Alors, il y avait des professeurs qui m'ont appelé, qui m'ont dit voilà. Et ça m'a un petit peu, nous avons constaté que, hein,
Tu n'as pas fait l'arabe, oui. si tu forces un peu, non, il ne va pas parler d'arabe. Si tu forces un peu, hein, le premier de 10 ans va sortir. Parce qu'en ce moment-là, le baccalauréat aussi, c'est un sang. Et pour Dakar, tous les établissements, les résultats, tous les établissements ont même, le même jury. D'accord, le même jury, Donc, il n'y avait qu'un seul jury. voilà, alors il tenait absolument, chacun tient à ce que le premier Le du premier sort sort de ce, de son effectivement, établissement. oui, de son Alors ils m'ont établissement. dit ça, moi je me suis dit, oui, mais je ne peux pas parce que de toute façon, j'étais là, je crois que le coefficient était 4, c'est que nous sommes très élevés comme première langue, La première c'est langue, oui. arabe, mais je parle arabe depuis 3 ans. Je n'ai fait que 2 ans d'arabe au lieu de faire. Au lieu de faire combien 4e, 4e, Si, si, comment on fait? vous avez eu un Au retard lieu en de faire fait. des faire 4 ans d'arabe, je Quatre ans faisais d'arabe, oui, 2 vous ans. avez fait 2 ans. Voilà. Oui. Et j'avais en plus, j'avais dit des Afriques. Alors comment je peux être premier de la classe et du centre. Que tu sois un autre ailleurs. Ah, mais donc ça a été très dur, hein. Je vois. Parce Et. que ça, ils m'ont dit, oui, ah bon, mais l'arabe, on ne peut pas changer. On ne pouvait plus changer. On ne pouvait plus changer. Et puis d'abord, je n'ai pas appris C'était pas, l'espagnol. ouais, c'était pas évident, tout à fait. Voilà, je n'ai plus aucun, je n'ai rien pour l'arabe. Ouais, à Rien. part l'arabe, vous n'avez pas pris autre langue, en fait. Voilà le problème. Alors, donc, malgré tout ça, j'ai passé comme des examens. L'examen avec l'arabe. Ouais, ah, non, avec l'arabe, mais j'ai eu presque. Je ne sais pas si c'est 2 ans que j'ai eu en arabe, mais imagine avec le coefficient 4. Mais avec ça, je m'étais classé deuxième du centre. Ah ouais? Ah oui. Ah oui, parce que Extraordinaire. en philosophie, j'avais eu 19 sur 20. 19 sur 20 en philosophie. En philosophie, j'ai eu 20 sur 20 en mathématiques, etc., etc. D'accord. Alors, donc, avec de grosses notes là, donc je ne dis pas aux enfants pour me planter. Ouais. Je n'ai pas, je n'ai pas pour travailler. Ouais. Voilà, mais c'est pour le truc qu'il faut travailler. Il faut travailler, C'est sûr de franchement. soi. Seul le travail paye, Et franchement. je voudrais leur dire une chose. Extraordinaire. Je voudrais leur dire une chose. Et quand on faisait ces examens-là, notre préoccupation, ce n'était pas de réussir. Vraiment, je n'ai jamais imaginé que je puisse échouer. Ouais, et je suis pas seul à être En comme fait, ça. l'échec ne faisait pas partie de votre état d'esprit, en fait. Non, mais parce que c'est impossible. Toujours, dans ma tête, c'est impossible. Bon, je peux dire que c'est possible, mais dans ma tête, à l'époque, c'était impossible. Impossible, tout à Mais fait. alors, quelle quel était donc ma peur quand je vais à l'examen? Parce que quand même, j'avais peur aussi. En quoi ça arrive? Mais j'avais peur de ne pas être premier. Vous avez peur de ne Toute pas ma être premier. préoccupation, c'est de savoir, mais quel rang je vais occuper. Mais alors, je voudrais dire à ceux qui nous écoutent que je ne suis pas seul à être dans cet état. Ce n'est pas un état singulier que ça marche, un génie, parce que non, ça n'a rien à voir. Il y a des tas d'enfants de l'époque qui étaient comme moi, comme ça. Qui étaient sûrs et certains que la réussite est acquise. Acquise, oui. Mais ce qui n'est pas acquis, c'est le rang. Le rang. Voilà. Tout à fait. Alors, donc, toute ma préoccupation, c'est de savoir quel rang je vais occuper. Tout à fait, je Voilà. comprends. Voilà. Oui, à l'époque, c'est comme ça que vous réfléchissez. En fait, la réussite, elle est acquise, mais par contre, c'est le Oui, rang mais qui n'est pas encore acquis. Ouais, mais le rang maintenant, c'est pas acquis. Extraordinaire. Je pense que ça doit être un Parce que très bon je ne sais leçon. pas qui tu vas rencontrer. Oui, ça doit être une très bonne leçon pour nous, surtout. Voilà. Voilà. Parce qu'il faut tout le temps se mettre dans la tête qu'on a déjà réussi. Maintenant, c'est le rang qui n'est pas encore acquis, quoi. Tout à fait. Extraordinaire. Alors là, c'est de là que. Oui. Après l'obtention de votre bac, bien sûr, après vous êtes parti à Oui, alors l'université. si vous voulez, pour conclure ça, c'est ce que j'ai à dire à ces jeunes, c'est que, Allez-y. vous savez, et ça, c'est extraordinaire. Est-ce que vous savez que 90%, moi je rêve beaucoup dans la nuit, je rêve beaucoup, et 90% de mes rêves, depuis l'enfance jusqu'à maintenant, les rêves portent toujours sur l'enfance. D'accord. Et pourquoi? Tellement mon enfance a été colorée à ma station, a été dense, densité absolument extraordinaire au fond de moi-même. Parce que ma station, c'est autre chose. Autre chose. D'abord, il y a le site, hein. Il y a le site, il y a la géographie. C'est la géographie même participe, hein, à l'humanisation de ma station. La géographie, elle-même participe à ça. Quand vous êtes de l'autre côté du bac,
c'est-à-dire on est de Bignona. Vous êtes l'autre côté du bac et vous vous apercevez ma station. Argent, c'est ailleurs. C'est dit, etc. Vous voyez comment encore le village de Marsas. De ma vous apercevez la village. Voilà. Vous apercevez les toits, vous les contemplez. Les arbres et tout. Mais je vous dis, la sensation que nous avions en ce moment-là, après 11 jours à Saint-Louis ou 11 jours à Dakar ou ailleurs, et qu'on entre à Marsas, la sensation qu'on a, cette sensation, je ne suis pas seul, mais je ne l'ai jamais éprouvé dans une autre situation. Je comprends. Mais un amour terrible pour terrible. Ce peuple qu'il a. C'est pas. Il est une nature morte. C'est comme ceux de vivant. C'est comme ceux de vivant. Et puis on a cette chance aussi d'avoir ces sonorités. Ouais. Qui berce son nom, qui porte son nom. Ouais. Ces grandes sonorités. Marsasou. Marsasou. C'est quelque chose de beau. Ouais. Et quand j'entre dans l'avion, n'importe où, quand j'ai rempli les dix, je mets Marsasou. Ah oui, je comprends l'amour que vous portez pour cette ville. Tous mes rêves, jusqu'à présent, il est rare que je fasse mon rêve dans mes situations d'adulte. Adulte, d'accord. C'est très, très rare. C'est les souvenirs d'enfance qui vous viennent en tête tout le temps. Je suis avec mon cousin, qui est même enfant aussi comme moi, mais pas dans nos situations actuelles. Donc, aucune situation actuelle, je n'ai privilégié au fond de moi-même, aucune situation actuelle. Les situations que j'ai privilégiées à moi, ce sont des situations d'enfant passées à ma station. Et je ne suis pas seul à faire ça. À faire ça. Sembène Ousmane, c'est la même chose. Ousmane Sembène. Je me pose la question de savoir si Sembène Ousmane aurait été écrivain, écrivain. Romancier, talentueux, s'il n'était pas né à Marsasou. Point d'interrogation. Il a fait son école primaire à Marsasou. Et à Santec. À Santec, oui, professeur à Santec, oui. Voilà. Et l'amour qu'il a fait pour ce village. Mais quand on leur dit ça, oui. À faire Marsasou, oui. C'est des questions qui reviennent souvent. Qu'est-ce que vous. Voilà. Voilà. Alors, mais à Saint-Sec, il a tenu. Ça, c'est une décision quand même capitale dans ma vie de monde. Ouais. Quand je choisis de vivre ici, à tel endroit, c'est avec la certitude ou même avec. Je sais que ce ne sera pas. Je ne vais pas mourir ici. Je peux ne pas mourir ici. Oui. J'accepte d'abord ce concept-là. Effectivement. Je n'ai pas resté là jusqu'à la mort. Oui. Donc, je sais que je peux me déplacer. Je peux me retrouver à Rutis. Oui. Je peux me retrouver à Dakar. D'accord. Je peux me retrouver à Saint-Louis. Oui. Où je peux pas. Ma vie peut se terminer partie par là. Bon. Mais quand un homme dit un tel mois de l'endroit, et pour l'éternité. Écoutez, il faut quand même réfléchir. Oui, ça mérite une réflexion. Ouais, ça mérite une là réflexion. Où tout a commencé en fait. Enterre-moi là-bas pour tous. Pour toujours. C'est l'open de terre. C'est ça qui sera mien pour tous. Et choisis ça à un endroit précis. Non, ça veut dire que dans le monde entier, parcouru. Il n'a pas trouvé un endroit meilleur. Un endroit meilleur que cet endroit, tout à fait, vous avez raison. Et ça, il faut respecter ce choix-là. Tout à fait. Tout les à gens fait. De Marsasou doivent respecter son choix. Son choix. Oui. Et le nom d'Atlantique doit être partout. Mais lui, il a une d'après, pas lui. Il traverse, il va de Dibak. Oui, Dibak. Qui va rater son frontière pour aller vestir. Oui. Vous je pense que les autorités sont en train de nous écouter. Ils vont en prendre cas, note, en tout cas. De Marsasou. Hommage à professeur Asansek. Oui. Oui. Mais vous avez quand même des rapports un tout petit peu intimes. Oui. Voilà. Vous faites nous pour des individus, mais pour la nation. Oui. Voilà. Tout à fait. Donc, c'est extraordinaire en tout cas ce que vous venez de nous expliquer et je comprends très bien. Et aussi, voilà, il faut que les gens respectent le choix de ces grands hommes. Vraiment, parce qu'ils n'ont rien que Marsasou, parce que vous l'avez évoqué. Et puis, en dehors de ça,
là, je vais vous dire une chose, moi je c'est pas mon secret. Moi, fils de ma station, à Saint-Exupéry, de ma station, Oui. je suis le président, je suis la personne qui a écrit au président de la République Macky Sall pour lui demander de donner le nom de Saint-Exupéry à l'université de Ziguinchor, L'université au moment Ziguinchor. où les professeurs de l'université de Ziguinchor cherchaient, se demandaient si l'université ne pouvait pas porter mon nom. D'accord. Ah, alors, donc les Ouais. professeurs, ils demandaient que l'université de Ziguinchor porte votre nom, mais c'est vous qui Ah, avez donc demande écrit. à Pam, Pam, le professeur Pam, Oui. il faut lui envoyer, il faut l'appeler, il faut poser la D'accord. question. Alors, c'est vous qui Mais avez il a fait décidé que. acte, il préparait un dossier pour ça. Ah, d'accord. Moi, je préparais mon dossier pour Atlantique. D'accord. Vous avez préféré que l'université de Voilà, Ziguinchor porte mon seulement, nom je de préfère que ce soit Atlantique plutôt que à moi. 65 plutôt que vous. D'accord. Absolument, Et absolument. pourquoi vous avez Parce qu'il choisi a alors que tout. aimé la Oui. Casamance. Il a aimé la Casamance. Qu'il fasse, qu'il ait fait quelque chose, qu'il n'ait pas fait quelque chose. Mais le président, en ce temps-là, qui a fait quelque chose pour sa région. Il n'y avait pas les moyens que nous avons aujourd'hui. Oui. Voilà. Non, de toute façon, tout ça, c'est rien du tout. Vous avez compris. L'amour déjà de sa nation et de Parfait. son pays Très et de bien. sa région et de son canton, c'est important. En tout cas, il faut être vraiment une personne très reconnaissante et aussi il faut être un grand homme pour accepter cela et pour, voilà, pour reconnaître la grandeur de son Voilà. prochain, vraiment, comme on Voilà. dit. Alors, En tout cas, oui, ce que nous allez-y. voulons plus, c'est ça. Oui. Il faut que nos enfants, nos petits-fils, nos neveux, qu'ils prennent la relève. Surtout. Mais il faut qu'il y ait toujours un socle à tout. Un socle à tout, tout C'est à le fait. sentiment de dignité. Un sentiment de dignité. Quoi qu'on fasse, ce sentiment de dignité. Et qui a été aussi la vie de Santé, qui a été aussi la vie de Sembène Ousmane. Vous Ousmane. voyez toute la vie que Sembène Ousmane a fait dans sa vie. Et tous les renoncements qu'il a eu. Il aurait pu avoir de grands postes, de grands machins, mais ça ne l'a pas intéressé. Il a fait ce qu'il a à faire avec beaucoup d'amour pour son pays et pour l'Afrique. Voilà. Alors, donc, c'est ça. Et ils ont mené leur carrière dans la dignité. Dignité, tout à Voilà, fait, voilà, tout voilà, à fait, voilà. parfait. Alors, je pense que le message est passé, grand-père Mahili. Donc, il faut vraiment avoir une dignité. Voilà, il faut vivre dans la dignité aussi. Voilà, donc c'est tous ces grands hommes, bien sûr, ils ont été dignes d'eux-mêmes. Donc, ils ont eu la dignité en soi et voilà, ils ont cru aussi en eux. Donc, pour arriver aujourd'hui à ce qu'ils sont devenus, bien sûr. Alors là, voilà. Donc là, depuis que vous avez eu le bac, donc c'est là que directement vous êtes parti à l'étranger ou bien vous avez d'abord fréquenté l'université. Non, alors, vous savez, le professeur m'aimait beaucoup à l'époque, m'aimait beaucoup. Ils m'ont proposé, parce qu'il y avait mon professeur de philosophie qui a pris tous les renseignements à l'ambassade, auprès de l'ambassade voilà, de France. Et puis voilà, et ils m'ont proposé d'aller préparer, d'aller préparer 5 cours. D'accord, c'est un concours Voilà, l'école normale supérieure de Saint-Cloud, une grande école en France, en France. l'école normale supérieure de Saint-Cloud, de préparer ça. Mais mon père, quand je l'ai parlé à mon père, il n'a pas voulu. Ouais, c'est clair, c'est Il a dit, évident. ah non, il n'a pas voulu. C'est évident. Alors, je ne sais pas parce qu'il s'est passé beaucoup de choses aussi qui ont fait que mon père avait peur. Parce que j'écrivais beaucoup, et je crois qu'il m'est arrivé. Et ça, c'est un texte qui a fait beaucoup de bruit. J'ai fait un texte sur Albert Camus, sur la philosophie d'Albert Camus. Albert Camus, oui. Oui, la philosophie existentialiste d'Albert Camus. Quelqu'un est venu parler de ça à mon père. Il dit, ton fils, il faut faire attention à lui parce que il va très loin. C'est vrai qu'il était critiqué. Oui. La pensée d'un homme. Oui. C'est pas autre chose. C'est pas ce à quoi il faut croire. Mais c'est une explication de la pensée d'un homme. Surtout que je Dame. l'ai fait pour les intellectuels. C'était pas pour les ingénieurs, c'était pour les élèves. Voilà. J'ai fait ça pour ça. J'ai fait cette explication-là. Alors, avant le baccalauréat, j'ai eu le baccalauréat, tout ça, avec mention bien. Donc, il me demande que je fasse l'école nationale. Si, alors, si l'arabe ne m'avait pas appelé, si l'arabe n'était pas là, Oui. n'est-ce pas? Si vraiment les notes de D'arabe, oui. l'arabe n'étaient pas là, j'aurais certainement eu mention très bien. Très bien, Bon, oui. alors, mais bien, déjà, c'est beaucoup. Ouais. C'est une chose.
Ouais, c'était déjà beaucoup. je disais, bon, je suis allé voir mon père pour lui dire que je voudrais aller en France. Il y Mmh. a une grande école là-bas. Mmh. Hein, que cette école-là, je lui ai dit, la plus grande école. Ce n'est pas la Oui, plus grande. oui. Bon, j'ai eu la plus grande école de France. Oui. Hein, et mes professeurs veulent que j'aille là-bas. D'accord. Préparer. Mais pour préparer, il faut aller dans un lycée. Dis-le, Bon, oui. les lycées préparatoires. Oui. Voilà. Alors, donc, tout ça, ils ont choisi tout ça. Mon D'accord. père m'a dit, non, non, il n'est pas question. Il dit, ah non, non, j'ai cédé pour le truc, mais ça, je ne peux pas supporter les colibés, les garantis. Ça, je dis Oui, comme ça. oui. Non, non, tu n'iras pas, tu n'as qu'à terminer ces études ici. Bon. Effectivement. Alors, après, ce qui m'a sauvé, en Oui, fait, oui. même mon frère, mon cousin ne le sait pas, mais c'est mon cousin, en fait, qui m'a sauvé indirectement. D'accord. C'est lui des impôts. Oui, En fait, ils Mahili. ont eu une bourse pour aller en France. Oui. Et là, c'est obligatoire, ils étaient obligés d'aller préparer les impôts en France parce qu'il n'y avait pas d'école ici. Oui. Après avoir fait Sciences Po. Oui. Il a fait Sciences Po et une science. Comment elle s'appelle encore là? Sciences économiques. Oui. Il a fait sciences économiques et il faut D'accord. maintenant faire les domaines. Donc, bon, les domaines, il ne faut pas le faire ici à À Dakar. Il Dakar, est oui. obligé d'aller en En France. France, Quand oui. il est allé, il est revenu sans histoire parce que nos parents, c'était ça. Il est revenu sans histoire, il n'a pas fait de scandale là-bas, il est revenu, il ne boit pas, il n'est pas venu avec une femme blanche, tout ça. Alors, donc, ils m'ont laissé partir, mais c'était trop tard. Oui. Voilà, donc je suis allé m'inscrire à la Sorbonne, À j'ai fini Sorbonne. mes études, voilà, mais D'accord. c'était trop tard. Voilà, voilà Oui. comment ça s'est passé. Ça s'est passé extraordinaire en tout cas. En Et russe, en quand je suis enseignement, revenu, surtout, oui. voilà, quand j'ai à la Sorbonne, j'avais un professeur qui voulait que je fasse donc j'ai demandé de faire le doctorat d'État, mais c'était sur le théâtre africain. D'accord. Vous avez fait J'ai combien d'années préparé, à Sorbonne? non, non, j'ai fait 3 ans, hein, 3 ou 4 ans, Trois, d'accord. je sais plus, trois ou Ok. quatre ans. Alors, donc, j'ai demandé à faire, c'est là-bas où j'ai passé ma licence à la Sorbonne. La licence, Ouais, d'accord. j'ai passé toute la licence là-bas, donc ça fait, la propédeutique, je l'ai passée à Dakar. Ah, d'accord. Mais les différents certificats de la licence de l'époque, j'ai passé À à la l'université Sorbonne. de Sorbonne, oui. Voilà, à la Sorbonne, maintenant, j'ai voulu faire un doctorat, mais sur le théâtre, parce que j'étais très passionné par le Par théâtre, le théâtre. et surtout le théâtre de Ponty. D'accord, Alors, William Ponty. pour moi, à l'école de Marc-William Ponty, on m'a dit, oui, mais là, il y a toutes les pièces, hein, depuis le temps de Oufoué-Boigny jusqu'à ce jour, il y a toutes les pièces là-bas. Bon, donc, je me suis inscrit. Oui. Et c'est pourquoi, quand je suis venu, j'avais demandé à être affecté à l'école normale de William Ponty. William Ponty, C'était oui. pour faire la thèse, en fait, ouais. D'accord. C'était pour faire une thèse, là, et voilà. Donc, finalement, j'arrive à l'école normale de William Ponty, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. D'accord. Il n'y a que des chemises vides. Les gens ont tout pris. Il n'y avait pas les pièces, il n'y avait rien du document de l'époque. Ah bon? Rien. Était Oui. vide. Alors, donc, ça m'a un peu découragé. C'est pourquoi, d'ailleurs, finalement, ce doctorat, je l'ai complètement écarté. Écarté. Écarté, je ne l'ai pas fait. Oui. Voilà. Je n'ai pas regretté, hein, parce que j'ai Ouais, fait autre chose à la place. absolument. Alors, c'est de là qu'après, vous êtes normalement la première fonction que vous avez occupée. Après, vous étiez professeur normalement de lettres, c'est ça? Oui, j'étais professeur de lettres. Il m'a dit, vous savez, il a dit, notre vie est construite parfois sur rien, Oui. sur des choses extrêmement légères Oui. et parfois insignifiantes. Oui, insignifiantes. Et ça, les jeunes qui m'écoutent, ils doivent le savoir. Et que parfois, on peut partir de rien, de quelque chose qu'on néglige. C'est pourquoi ils doivent être attentifs à tout. Attentif, Vous oui. savez, voilà, nous sommes attentifs à tout dans la vie. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va te sauver. Voilà, qu'est-ce qui va couvrir le voile. Alors, donc, moi, mon ambition, sincèrement, c'était de devenir professeur, titulaire de chaire dans une grande université. Que je sois au Sénégal, comment dirais-je, en France, en Amérique, mais dans une grande université. Ça, c'était mon rêve. Tout à fait. Donc, j'étais en rade d'étudier. D'abord, je ne sais rien faire alors, de la lecture et de l'écriture. Je sais pas si c'est ça, non, non, de la réflexion, tout ça. Mais à dehors de ça, tu me fais faire d'autres choses, ça m'ennuie, ça m'agace.
J'étais au ras des bibliothèques. J'étais toujours avec des livres. Comme Avec maintenant, des bouquins, oui. ma femme est là. C'est très bon que je n'ai jamais passé depuis qu'on s'est marié. Oui. À ce jour, en 1970, à ce jour-là, Oui. je n'ai jamais passé une journée sans livre. Ah ouais? Même si je suis dans un lit d'hôpital. Non, mais c'est ma vie. C'est ma vie. C'est ma vie. Effectivement, vous Comme aimez c'est la ma vie. lecture, Voilà. oui. Alors donc, je voulais être professeur. Mmh. Je voudrais être professeur, faire de la recherche, etc. Et je l'ai toujours dans les bibliothèques. Un jour, il y a. On m'envoie quelqu'un est venu. C'est le ministre de la Culture de l'époque, j'ai oublié le nom. Pourtant, c'est un des grands ministres de la Culture C'était de l'époque. du temps de Léopold Sédar Senghor, oui. Du temps de Léopold Sédar Senghor. Oui. Et il était finalement ambassadeur, notre ambassadeur en Suisse. Oui. J'ai oublié non, j'ai oublié le nom. D'accord. Il paraît que quand, avec la vieillesse, donc c'est les noms qu'on oublie Oui. d'abord, avant de pouvoir. J'ai dit la mémoire perd d'abord Oui, les noms. malheureusement aussi, moi, je n'ai pas vécu cette époque aussi. Je me suis Voilà, pas. Oui, je suis effectivement. vieux, alors je commence maintenant Oui, on vous à perdre comprend. la mémoire des Si, noms. je vous comprends. Il paraît que la mémoire des noms, c'est la mémoire qui disparaît la première. Ouais, tout à Bon. fait, avec l'âge, Alors, oui. donc, il m'a envoyé quelqu'un pour me dire qu'à Moncton, au Canada, il y a une grande conférence sur le français, Le la langue français. française. Ok. Bon, et que j'aurais souhaité que je représente le Sénégal là-bas. Ah, quand j'étais à la bibliothèque de l'université, hein, ils m'ont trouvé là-bas. Alors, là, j'ai dit, ah non, je ne peux pas, j'ai du travail, etc. Non, ils ont insisté. D'accord. Ils ont insisté et je leur ai dit, bon, je vais avec qui? Ils m'ont donné des noms, je dis, non, moi, je n'ai pas de ces gens-là. Je veux aller avec des professeurs qui se trouvent là, et comme Major Diouf. Oui, Et c'est comme ça professeur Mario qu'ils ont Dufouy. donné un billet à Major Diouf et nous sommes allés. D'accord. Mais avant d'aller, ce ministre-là m'avait une fois convoqué et m'avait demandé il m'avait proposé de me nommer directeur des arts et lettres. D'accord. Ouais, non, je n'ai pas voulu. Non, je ne sais pas, parce que si je fais ça, je ne pourrais pas faire mon doctorat, Doctorat, etc. oui, etc. tout Bon. à fait. Alors, donc, j'ai refusé. Mais cette fois-ci, j'ai accepté. Donc, je suis Oui. allé avec Major. Je reviens à l'aéroport. Quelqu'un me dit, c'est lui qui est venu m'accueillir. Il me Oui. présente ses félicitations. Il me dit, mes félicitations. Je lui dis, mes félicitations, pourquoi? Il me dit, mais tu as été nommé directeur des arts et lettres. J'ai dit, non, non, non. À votre insu. Alors là, curieux, curieux. Je vais là-bas, mes amis, parmi mes amis, il y avait Cher Dramé qui est professeur d'anglais, Oui. et il y avait aussi Abou Silla qui est professeur de philosophie. Oui. Et ils sont venus me voir pour me dire, mais parce qu'ils savent, ils savaient, je crois que je risque de protester vivement. Ils Oui. sont venus me voir pour me calmer. Oui. Ils m'ont dit, si jamais que tu refuses, ils vont te créer toutes sortes de Tu problèmes as dans de ce problème, pays. oui. Voilà, et tu nous parce qu'on avait une très mauvaise idée des gens. Voilà. Donc D'accord. finalement, voilà, j'ai accepté. C'est comme ça que. Accepté, j'étais là. Bam, 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 ça commence à me plaire un tout petit peu. Oui. Paf, on me dit, voilà, le centre d'études des civilisations, il faut que ce soit directement dirigé. Ah ouais? Voilà. Alors, donc c'est comme ça que je me suis retrouvé aussi à la tête du centre d'études des civilisations. Alors là, je commence à m'épanouir, à Oui, accepter. oui, Parce que j'étais heureux. oui. Et c'est au moment maintenant où vraiment je me sentais bien et j'ai un programme à faire concret. Hein? On vient me voir encore, on me dit voilà, hein, le président Senghor veut que tu sois son directeur de cabinet, Exact. son conseil culturel. J'ai dit mais comment conseil culturel? Alors j'ai refusé, j'ai dit non, je ne peux pas. Et c'est comme ça que, Je ne peux donc, ce qui pas, veut j'ai dit ce dire. que j'étais là, c'est très intéressant. Là, je suis en train d'écrire cette histoire-là, de rencontre avec Senghor qui a été précurseur quand même tout à fait singulière, vraiment Donc, singulière. c'est dire que depuis que président Léopold Sédar Senghor vous nommait à l'époque comme son conseiller en culture, bien sûr,
Vous ne vous connaissiez pas en fait, à Non, l'époque avant? lui, il me connaissait très bien. On se connaissait. Ah, et On se vous connaissait, mais connaissez. par l'œuvre. D'accord? Pourquoi d'ailleurs il a voulu que ce soit son conseil culturel? Parce que le conseil culturel qui était là-bas, il Roudouza, a fini par fuir. S'appelait Et Rolouza, c'est ça? c'est un Français, Oui, bon c'est un Français, Français, d'accord. d'origine antillaise. Oui. Et ouais, c'est à son maladie. Et tu sais, ces conseils culturels depuis l'indépendance, c'est des chefs d'État français qui envoyaient des conseils culturels. C'est agrégé de ceci, agrégé de cela, et ceci, là. Voilà. Donc, Roluzard était agrégé de lettres, je crois. Il a été son conseiller culturel. Mais il a tellement emmerdé. Il a tellement emmerdé que Roluzard a fini par Par fuir. Il a partir. dit, fuir, hein, il a dit que sa femme est malade. Il est rentré. Il est rentré, il n'est plus revenu. Donc, on m'a demandé. Senghor, maintenant, était allé en vacances à Dersom. À Dersom, il était en vacances à Dersom. Et avant de partir en vacances, au moment de partir en vacances à l'aéroport, il avait promis devant la presse que s'il va à Dersom cette fois-ci, non seulement il aura à traiter des dossiers de l'État, mais qu'il a aussi un livre à écrire. Et que ça, c'est son ouvrage de critique littéraire. C'est le seul ouvrage de critique littéraire qu'il a écrit d'ailleurs. Ah, il dit D'accord. qu'il va écrire ça là-bas, et je suis. Bon. Oui. Et lui-même dit, il a raconté l'histoire à la télé. Il C'est dit mort que lui-même. oui, mais quand. Oui, c'est quoi, oui. Il dit, mais quand il est revenu, on lui a dit, est-ce que votre livre, vous l'avez écrit? Il dit, oui, je l'ai écrit, mais je suis obligé d'aller le reprendre chez l'éditeur. Alors, il dit, parce que Oui. je venais tout juste de recevoir Oui. un livre de nouvelles éditions africaines, Oui. parce que les nouvelles éditions africaines lui ont envoyé mon ouvrage Kourouma qui vient de sortir. Oui, Kouroum, effectivement. Comment? Voilà. Alors, il dit, et j'ai reçu l'ouvrage, et j'ai lu. Je me suis dit, non, il faut que je revoie tout ce que j'avais dit à propos de la critique littéraire. Tout à fait. Voilà. Alors, donc, il dit qu'il a, il a repris le manuscrit, il l'a refait, Oui. et c'est pourquoi, d'ailleurs, il m'a longuement cité, sur des pages, hein, au moins deux ou trois pages, je crois, il Oui. m'a longuement cité dans cet ouvrage-là. D'accord. Voilà. Et qui s'appelle. Comment ça s'appelle encore? Vous voyez les noms, Oui, j'ai ça compris. me revient pas. Ouais, tout à C'était fait. son ouvrage de dialogue. Oui. Dialogue sur la sur. Bon, je me souviendrai après. C'était un ouvrage très Ouais. célèbre, hein, très célèbre. Tout à fait. Et c'est à Sousse d'ailleurs, ceux qui ont son grand recueil de poèmes. Poème, Là où il y oui. a l'ensemble de ces poèmes, Oui. il y a justement en annexe cet ouvrage-là. Voilà, D'accord. ça fait partie, justement, aujourd'hui, ça fait partie de son recueil de poèmes. De son recueil de poèmes. D'accord. C'est Ouais. dire que, en fait, vous étiez, en fait, le premier conseiller culturel de Léopold Sédar Senghor C'est le du. dialogue sur la littérature, sur la poésie négro-africaine, toujours comme ça, D'accord. Mais par voilà. contre, Ouais. vous étiez le premier conseiller culturel de Léopold Sédar Senghor, originaire du Sénégal, en fait. Le premier, quand je dis premier, quand on dit premier, ça ne veut pas dire que je suis, depuis l'indépendance, je suis le premier. Non, vous savez, dans un département ministériel, à la présidence de la République aussi, il y a des rangs pour les conseillers. Parce que moi, quand j'y étais, on était, il y a des conseillers. Le président n'a pas qu'un conseiller dans une discipline. Effectivement, tout à Il en fait. a plusieurs. Tout à fait. On les classe maintenant. Il y a le D'accord. premier conseiller, il y a le deuxième, et il y a D'accord. le troisième, il y a Trois. le quatrième, ainsi de suite. Ah, Alors, d'accord. moi, quand j'étais là-bas, Oui. nous étions, ouais, nous étions trois conseillers. Trois conseils. Il y avait moi comme premier conseiller. Il y D'accord. avait le bien Klein. Le Klein, C'est en c'est un français? Français, Oui. ouais, on dit, un grand ami de Senghor d'ailleurs, qui Oui. était le deuxième Le conseiller. deuxième conseil. Et le troisième Oui. était un entier agrégé de lettres aussi, un grand romancier d'ailleurs, un beau romancier, qui s'appelle Dorville, qui était le troisième conseiller. Et le quatrième D'accord. conseiller était l'écrivain sénégalais, un grand écrivain sénégalais, hein, dont on ne parle pas beaucoup. Comment encore. Voilà.
ça recommence. Alors, c'était Kunta Diallo qui nous fait oublier l'homme. Oui. Comment il s'appelle encore? C'est notre tout. ami écrivain romancier là. Il a écrit il a fait de la poésie, il a Ouais, fait il est des sénégalais aussi. romans, et il a fait aussi, comment dirais-je, du théâtre. Oui. C'est lui qui a écrit La vie des dieux. Ouais, il a écrit La vie des dieux, voilà. Alors, donc D'accord. voilà, donc, qui était le quatrième conseiller. Donc, on était quatre conseillers. Quatre conseils à l'époque, Voilà. d'accord, tout à fait. Alors, donc, Roger était premier conseiller quand il était là-bas. Voilà, moi, quand je suis arrivé, c'est mon m'a dit, bon, écoute, je vais te nommer premier Dans conseiller. mes conseils. Voilà, premier conseiller. Parce que, vous savez, pour que j'aille le voir, ça, si vous voulez, on peut faire une autre émission là-dessus. Mais Ouais. pour accepter de Et... travailler avec Senghor, ce qui ne se passe pas aujourd'hui. Il m'a fallu, il nous a fallu combien de mois? 6 mois. Ouais. Il y a eu 6 mois de négociation parce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Et j'ai dit au secrétaire général de la présidence que je n'irai là-bas que sous condition. C'est-à-dire, j'ai les conditions à. Il dit, mais on ne peut pas fixer les conditions au chef d'État. Ouais. Ah, je dis, en tout cas, moi, j'ai des conditions. Si vraiment vous n'acceptez pas ça, je C'est reste là où je suis. Je suis très bien. clair. Voilà. Voilà. Alors, donc, pendant 6 mois, nous avons fait des va-et-vient, des négociations, n'est-ce pas? On pourra en parler un jour, mais ce n'est pas Oui, pour dans une autre aujourd'hui. émission, tout à fait, parce que d'ailleurs, Actuellement, le problème ouais. que j'ai eu dans ma carrière est très simple. Et ça, nos auditeurs sont jeunes, ils doivent bien écouter ça. Le problème que j'ai eu, et les gens ne comprennent pas, mais comment on le dit, c'est bien. Mais c'est pas possible ton comportement vis-à-vis des plus grands. Voilà. C'est quoi? Tu l'autre, tu travailles avec lui, tu te dis ceci, tu te dis cela, hein? T'es l'autre, hein? Tu te dis ça, il dit Abidou, bien sûr. Non, le problème, en fait, il y a une incompréhension. Pour moi, quand tu acceptes des fonctions étatiques, Oui. tu as des fonctions qui concernent toute la nation. Oui. Tu es à la disposition de la nation. C'est important de la nation, tu es en train de t'occuper de ça. C'est une responsabilité Une extrêmement responsabilité, lourde. effectivement. Ce n'est pas du tout un cadeau qu'on t'a fait. Or, c'est toujours considéré maintenant comme cadeau. C'est pas un cadeau. C'est un travail immense. Immense. C'est des soucis extraordinaires. Oui. Il y a toute la nation sur les épaules, Oui. dans ce petit domaine. Oui. Le domaine a beau être petit, mais il y a toute la nation sur le dos. Le tout à fait. Alors donc, si par exemple j'accepte d'être ministre, et ça aussi, un jour viendra, si vous voulez, on pourra en parler un autre Et jour. d'ailleurs, oui, j'avais une question pour vous, donc je voulais juste que vous nous rappeliez Voilà. en fait quelles sont les Parce que, fonctions, les différentes voilà. fonctions politiques que vous avez exercées au Sénégal, bien sûr. Si j'ai accepté d'être ministre, c'est dans des conditions terribles, hein, nous aurons l'occasion d'en parler peut-être. Oui. Mais ma conception est la suivante. Donc si j'accepte d'être ministre, Oui. d'être conseiller de Senghor pour la culture, pour mon pays, le Sénégal, Oui. et au sein de l'Afrique, c'est moi qui lui rends service. Tout C'est à fait. pas lui qui me rend Qui service. vous en a servi, tout à fait. Mais ça, c'est une condition intime. C'est pas moi, c'est pas lui qui me rend service. Quand Oui. Abdoulaye m'a nommé ministre de la Culture, c'est Oui. pas lui qui me rend service. Je suis Oui. sûr que dans le plus profond de mon être, je sentais que c'est moi qui lui rend service. Et mon comportement vis-à-vis de lui, c'est comme si c'est moi qui lui rendais service. L'un des services, tout à Voilà fait. pourquoi il y a souvent des malentendus entre eux et moi. D'accord. Je suis beaucoup de malentendus à cause de cela. C'est moi qui rentre. Et quand j'étais en seconde, je t'ai dit qu'on nous a envoyé à Ziguinchor, Asignation, oui. après la troisième. Quand Oui. j'étais en seconde, Oui. j'avais un frère qui est décédé, hélas, mais par le temps, hélas, Amadou Gassam. Oui, aux Nations Unies, oui. Mais Amadou n'avait pas réussi à son entrée en sixième. Il D'accord. devait le préparer. En ce moment-là, moi, j'étais en seconde. Donc, c'est à cause de lui que je suis allé dans une école privée, l'école privée de Diak, que les Ziguinchorois connaissent bien.
D'accord. Alors, à Santiago. À Santiago, nous sommes grands amis après ça. D'accord. Donc, je suis allé enseigner là-bas pour pouvoir payer les études d'Amadou qui était élève là-bas. Là-bas. Voilà, dans cette école-là. D'accord. Alors, avant de me décider à aller l'aider de cette façon-là, un enseignant, j'ai tenté d'abord, j'ai voulu d'abord être surveillant de père, au père. Surveillant au père, ils étaient payés à l'époque. Ils avaient quand même quelques sous qui m'auraient permis justement de m'occuper d'Amadou. Oui, de votre petit J'ai frère, envoyé une lettre au ministre de l'Éducation nationale. oui. Jusqu'à présent, je n'ai pas oublié ça. Je l'ai dit d'ailleurs dans Politique et Politique au sud du Sahara. J'ai raconté cette histoire là-bas. Oui. Et j'ai envoyé une lettre au ministre de l'Éducation nationale. Je lui ai dit, écoutez, je veux être surveillant au pair, etc., etc. Mais l'argument le plus massif, massif, c'est-à-dire l'argument le plus massif, le plus important, le plus important, le plus pertinent que j'ai pu trouver, c'était de lui dire, si jamais que vous me nommez surveillant au pair ici à l'école, au collège de Ziguinchor, Oui. je suis prêt à vous remplacer un jour. Je jure sur la tombe de ma mère que j'ai écrit ça. Mais en l'écrivant, je pensais d'un plaisir immensément à ce type qui doit être accablé sous le poids de sa charge. Mais alors, le monsieur ne m'a pas répondu. Il vous a pas Et même si je répondu. ne me réponds pas, je dis, mais je ne comprends pas. Oui. J'ai été très gentil avec lui. J'ai voulu proposer un sacrifice presque suprême. Je suis prêt à le remplacer pour tous les Sénégalais, pour tous les écoles. Absolument, Mais il ne me absolument. répond pas. Vous comprenez? Alors, je vois que tous les gens de l'époque, les Atlantiques, les machins, les Oui, Sengoku, oui. je ne dis pas qu'ils pensaient comme ça, comme moi, avec tant de naïveté. Ouais, Mais il y effectivement. avait quelque chose de comme ça chez nous, Tout à chez fait, j'ai ces gens-là. compris. Ouais. Voilà. Que quand on se charge de ça, Oui. on a accepté un poste étatique, Étatique, oui. c'est vraiment une responsabilité extrêmement lourde. Extrêmement importante et lourde, oui. Voilà, voilà. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Oui. Au contraire, j'ai une voix ouverte sur l'enrichissement. Voilà, Effectivement, oui, parce qu'aujourd'hui, illicite. Voilà, oui, c'est ça. aujourd'hui, pour occuper des postes de responsabilité, Voilà. bien sûr, ce qu'on cherche derrière, c'est tout simplement avoir de l'argent, etc. Mais sinon, c'est pas Voilà. la responsabilité et les tâches qui nous incombent, c'est à ça qu'on pense, non. D'abord mes relations avec Senghor. Parce que c'est des choses très riches, hein. C'est très riche, très dense, Oui. les relations avec Senghor. Si vous lisez l'ouvrage de Batili, Abdoulaye Batili, Oui. le politicien, Oui. quelque part il a dit, hein, il dit c'est étonnant. Parce que Abdoulaye Batili est de ma génération. Oui. Voilà, nous avons passé l'enfance ensemble, hein, Oui. on était au lycée ensemble. Alors, il dit que ce qui est étonnant, c'est de voir quelqu'un, quand il parlait de justement de Senghor, de sa manière, n'est-ce pas, de reconvertir les gens, il dit que ce qui est étonnant, c'est que Marie Gassama, Et qui allait de ville en France faire des conférences ou distribuer des tracts, contre Senghor, Oui. se retrouve maintenant, n'est-ce pas, à la présidence de la République auprès de Senghor. Voilà. Oui. Alors, voilà, et qui est en train de le dire. Non, c'est Et plus compliqué pourtant, que ça. y a Oncle Bafou de Gassama qui est en train de rappeler ça. Il dit bien, je me rappelle toujours de cette période parce qu'on m'avait refusé l'entrée à la présidence parce que j'étais en ensemble djinn à l'époque. Alors Voilà, que c'est ça. vous l'avez appelé Voilà, on n'entrait pas, on n'entrait pas. vous l'avez appelé en urgence. Et ce fut l'occasion d'ailleurs pour lui d'avoir un premier costume le Voilà. lendemain. Alors, c'est Tout extraordinaire à fait, ça. oui, c'était On n'envoyait extraordinaire. pas en jean Oui. et les femmes ne devaient pas entrer en pantalon. Oui. Ah non, non, pas en pantalon. Tout Pas à du tout. fait. Voilà. Tout à fait. Il y avait des choses très strictes. Tout à Alors, fait. tout ça, on pourra en parler Un jour, bien sûr, voilà. parce que voilà, parce que là, nous sommes en train Voilà. d'être rattrapés d'ailleurs par le temps. Et par contre, Voilà. voilà, si vous pouvez juste vous nous citer, par exemple, par ordre chronologique, tout simplement, les fonctions politiques que vous avez quand même occupées, bien sûr,
à l'époque. Oui, mais tu sais, là aussi c'est un peu compliqué parce que Compliqué. la plupart des fonctions, Oui. ce n'est pas occupé des fonctions sur ma demande. D'accord. Et la plupart des fonctions non plus, je les ai occupées malgré moi. D'accord. Mais pas, c'est pas de, Ah par non, votre non, vos non, non, c'était compétences, bien malgré moi. sûr. Mais après, bon, j'étais abrutier. Après, je me suis rendu compte que j'avais tort. Oui. Quand, par exemple, ma collaboration avec Senghor, je n'en voulais pas du tout. Mais après, je me suis rendu compte qu'en fait, le Senghor que je connais n'est pas ce Senghor-là. Oui. Voilà. Alors, donc, et je m'étais trompé. Là, je vous le dirai. Je dirai pourquoi je m'étais trompé. Voilà. Alors, donc, comme je vous l'avais dit, là, pour ce qui est de mon arrivée à la tête de la direction des arts et cultures, Ah, de culture, oui. ça, c'est dommage quand même. Et de la propriété intellectuelle. Voilà. C'était direction des arts et de la culture et de la propriété intellectuelle. Alors, donc, là, c'était vraiment accidentel. J'ai accepté, malgré moi, Malgré vous. en pensant que, bon, quelques mois après, je pourrais m'en sortir et partir ailleurs. Mais je suis resté. Donc, et après, art et culture, il y a le. Je ne me suis jamais plu là-dedans. Hein. D'accord. Et puis, il y a eu le comment dirais-je, la direction des études, le centre d'études des civilisations. Oui. Alors, le centre d'études des civilisations, là, je me suis vraiment plu. Hein. Finalement, je ne suis plus. Il y a des choses extrêmement intéressantes à faire. Oui. Et j'ai fait beaucoup de choses avec les radios internationales de l'époque. D'accord, oui, tout à fait, parce Oh, que j'ai vu que vous j'ai étiez, vous beaucoup avez étudié. animé certaines émissions d'ailleurs à la RTS. Voilà, à partir de là, alors j'ai fait Effectivement. énormément de choses avec ça. D'accord. Je m'en suis bien servi. Et Parfait. puis après, ça, donc, à Réunion, je suis allé chercher Senghor. Oui. Mais vous savez, chez Senghor, ce n'était pas si facile que ça. Ce n'est pas pour rien que des gens tuent. Et puis, Senghor était d'une rigueur extraordinaire Il était d'une rigueur extraordinaire. en matière d'écriture. D'accord. Oui. En matière d'écriture, oui, D'écriture. était d'une rigueur extraordinaire. D'accord. Alors, donc, mais ma chance, c'est que j'ai un style qui plaisait énormément à Senghor. À Senghor. Énormément, oui. Oui, tout à fait. Vraiment. Et puis aussi, le problème, c'est pas parce que j'ai un style qui plaisait. Moi, je me suis toujours dit que non, c'est pas ça. C'est parce que je connaissais bien son style à lui. Vous le mettez, vous, Ouais, en je fait, vous connaissais bien son connaissez, style à lui. oui, vous Et même maîtrisez une l'homme, lettre, oui. même si on demande de répondre à une lettre, quand je réponds, c'est mon courage, c'est lui qui a écrit. C'est une Tellement que, lettre. oui. Alors, et une fois, il y a, comment dirais-je, une grande revue française qui a voulu le harceler pour donner une interview. Il m'a appelé, je suis arrivé, et je viens, il me dit, voilà, une interview, là, avec tel journal, avec telle revue. Oh, la revue est une revue très sérieuse. Tout à Moi, fait. je dis, ah, monsieur le président, vous savez, hein, cette revue-là n'est pas quelconque. Moi, j'aurais quand même souhaité que je puisse vous poser des questions d'abord, etc., avant de faire quoi que ce soit, ou bien on l'écoute ensemble, les questions. Il me dit, non, mais tu me connais. Tu me connais. Moi, je dis que, non, pas dire ce que je dois dire, parce que je Oui, sais que tu sais ce que je dois ce dire. que je dois dire, c'est Ça, comme je dois si vous dire, ça, lisez dans ses pensées, quoi. voilà. Ouais, tout à Alors, fait. donc, je connaissais bien son style, Oui. donc ça m'a sauvé avec, pendant ce séjour avec Senghor. C'est dire que Après vous avez. Senghor, Oui. ouais, donc après ça, j'étais directeur de la culture à l'Agence de coopération culturelle. Là, vraiment, je crois que c'est le poste où je me suis le mieux épanoui. Épanoui. Ouais, épanoui. Ah non, non, c'est là où je me suis le plus. Ouais, c'est. Il est vrai que je n'aime pas la francophonie. Là, je n'aime pas toujours la francophonie, mais j'étais vraiment épanoui à ce poste-là. C'est C'est la direction, directeur général de la culture à l'Agence directeur général de la culture à l'Agence de coopération intergouvernementale de culturelle la du Québec. francophonie. D'accord. Voilà, au 13 quai André Citoyen. À l'époque, il n'y avait pas encore l'OIF, c'est-à-dire l'Organisation internationale de la francophonie, n'existait pas Effectivement, encore. oui. Il n'y avait que l'accès, c'était l'Agence de coopération culturelle technique. Tout à Donc, j'étais à l'Agence de coopération culturelle technique. fait. Et là, j'ai réussi, pour la première fois de ma vie, à être vraiment libre.
Non, j'ai été libre deux fois. Quand je dis des conseils culturels de Saint-Gaulle, je pose vraiment ce que je veux faire. Oui. Bon, et puis, à ce poste-là, Oui. là, j'étais vraiment libre. C'est là-bas où j'ai imaginé des projets que, normalement, ces projets ne doivent pas être imaginés à l'intérieur de nos services, mais à Service. l'extérieur. C'est les pays, les États qui devaient, normalement, proposer ces projets-là. Oui. Alors, j'ai imaginé le centre de discrimination. Oui. Et donc, j'ai le centre de civilisation. J'ai imaginé Le le centre de CLAC, lecture et le centre d'animation de lecture culturelle. et d'animation culturelle, Effectivement, dans CLAC. des conditions difficiles. Le secrétaire général de l'époque n'en voulait pas du tout. Les agents eux-mêmes n'en voulaient pas du tout parce que c'est un projet rural. C'est un projet qui ne doit pas se passer dans les grandes villes. Or, les professionnels internationaux, ils ont horreur de se rendre dans les villages. On D'accord. les envoie à Dakar, à Saint-Louis, ça passe. Saint-Louis, déjà, on commence à grincer. Mais c'est dans les capitales que vous travaillez. Et moi, je les amène dans les villages. Oui. Et parce que ce projet doit être installé que dans les Et villages. pourquoi ce soir? Hein? Et pourquoi ce soir? Ah, c'est une question intelligente. Bref, pourquoi ce choix? C'est que la France a ses bibliothèques dans les villes. Si jamais que je propose que ces projets soient dans les villes, le projet ne passera pas devant la conférence générale de l'organisation. Tout à La fait. France fera tout pour piétiner le projet. Ça, Oui. j'étais sûr, très certain. D'ailleurs, la France a lutté après contre le projet. Oui. Il m'a fallu le soutien du Canada. J'ai D'accord. aussi, et vraiment, j'ai tout fait pour que le Canada puisse me soutenir. C'est le Canada qui m'a soutenu. Donc, il a fallu l'appui Voilà. des partenaires Alors, si j'avais internationaux, fait. oui. Si, alors, j'ai dit que le projet sera dans des villages. Par exemple, normalement, le projet n'aurait pas dû être à Sédou. Sédou est une ville. Oui. Et il aurait pu être à Martassou, Marsasson. avec tous ces villages satellites qui doivent venir à Martassou pour ce projet-là. Oui. Ce qu'on a fait ailleurs, même dans les Comores, dans Oui. les Seychelles, Oui. dans les Comores, Oui. comme partout dans le monde, hein, mais ça a eu un succès fou. Dans d'autres. Mais grand-père, il me semble que même ce projet a été d'ailleurs accepté d'abord dans les pays de la sous-région avant que ça ne soit accepté au Sénégal. C'est bien cela. Non, ouais, non, le Sénégal avait refusé le projet. Oui, Parce tout que à les fait. gens qui s'occupaient de la librairie Oui. étaient très proches de la France. Ils préféraient vraiment leur mission entre Paris et Dakar que d'aller s'occuper des projets là, dans les villages. Et puis la France, qui développait les bibliothèques Oui. dans les villes, c'est plus facile de suivre ce projet-là que de suivre mon projet. Mon Et, projet, c'est dans les villages. alors que c'est vous qui avez pensé ce projet, c'est vous qui Oui, avez initié mais ce le projet. Sénégal n'a pas voulu le projet tout de suite. Il a fallu que je sois nommé ministre de la Culture pour valoriser ce projet-là au Sénégal. Mais malheureusement, Pour c'est l'imposer au Sénégal. et Oui. pourtant, grand-père, ça, je pense que ça fait partie du Sénégal parce qu'on voit au Sénégal des gens, par exemple, qui pensent des choses extraordinaires qui seront beaucoup plus bénéfiques pour le pays. Mais malheureusement, les Sénégalais, avant d'accepter ça, il faut que ces derniers le fassent ailleurs pour que, voilà. Ça, voilà, ça c'est une autre question encore. Mais l'écriture, je l'ai développée. Mais Oui. plus tard, pas aujourd'hui. Tout à fait. Oui, Mais je l'ai développée. vous pouvez C'est continuer, oui. que nous ne croyons pas en nous-mêmes. Oui. Et ça, c'est une élaboration de l'enseignement colonial. Ça, c'est un programme de l'enseignement colonial. Ça a été élaboré par l'enseignement colonial. On nous a vidé la tête pour remplacer ce qui était là-bas par autre chose. Et c'est pourquoi c'est très difficile de s'en sortir. Jusqu'à présent, d'ailleurs, c'est difficile de s'en Vous s'en sortir. sortez tout à fait. Et ça, il faut qu'on fasse toute une émission là-dessus. Oui. Oui, Non, il faut on qu'on va fasse faire toute une une autre émission. émission, Comment bien sûr, oui. il faut nous libérer l'esprit. Oui. Mais l'enseignement, on comptait beaucoup sur les écoles et autres. Mais les écoles n'ont rien apporté. Tout à fait. Non, le programme de l'école n'est pas là pour nous libérer. Mais pour nous enrouler davantage. Mais vous imaginez une chose. Et pour nous, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Il ne faut pas. Mais imaginez, regardez, observez l'état actuel du monde. L'état actuel du monde. La stratification des sociétés, des communautés.
les communautés humaines. Mmh. À la tête, Mmh. vous avez le plan. Même le groupe de 50 pourra te le dire. À la Mmh. tête, vous avez le plan le plus important. Mmh. Après le plan, vous Oui. avez la diétique. Mmh. Après la diétique, vous avez besoin de l'arabe. Mmh. En tout cas, au tout à fait à la fin, Mmh. vous avez le nègre, Le nègre, le oui. noir. Mmh. Mais et cette place, nous le voulons, nous la voulons. Parce qu'on a dit, on ne fait rien pour nous en sortir. Tout à fait. On ne fait rien. Alors, donc voici la certification du monde. Et Et ça, il faut renverser les choses. effectivement, je pense que ça Et comment aussi. renverser les choses, ça va être extrêmement difficile. Ouais, je pense Voilà, que donc, oui, il faut qu'on c'est ça fasse qu'on une en parle. émission Voilà. sur ça aussi, grand-père, par Non, non, rapport. on va faire une émission très sérieuse là-dessus. Effectivement, une Voilà. émission très sérieuse et approfondie, comme ça, vous allez nous parler un tout petit peu surtout de ça, de la pensée africaine aujourd'hui, la mentalité aujourd'hui. Qu'est-ce qui Voilà. fait qu'aujourd'hui Voilà. on a une mentalité Voilà. vraiment, voilà, Voilà. Parce effectivement. que je vais vous dire une chose pour que vous puissiez réfléchir, vous et tous ceux qui nous écoutent. Nous, Africains, nègres africains, Oui. nous aimons des situations d'exception. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Je Nous aimons comprends. les situations d'exception. Nous sommes les seuls dans le monde entier avoir peur de compter sur nous-mêmes. Tout à fait. Africain. Nous sommes les seuls aujourd'hui dans le monde entier à avoir peur d'une monnaie qui nous appartient. Tout à fait. Seuls sur le bloc, sur tout le bloc. On dit, ah non, mais c'est pas, nous ne serons pas en sécurité. Sécurité par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Nous ne serons pas en sécurité si on change le CFA. Hein, ce sera le désordre, ce sera. Mais nous allons commencer à être nous-mêmes quand? Comme tous les autres sont chez eux. Et sont eux. Ils sont eux. Nous ne voulons pas être nous. On a peur d'être nous. On On a a peur peur. d'être nous, tout à fait. Mais voilà le problème du nègre. Mais pourquoi pas? Pourquoi on ne prendrait pas le pistolet, voir nos enfants qui entrent dans un café en Europe ou bien en Amérique, on prend le pistolet et on tire sur eux. Pourquoi pas? Ouais, Parce que c'est des animaux. Parce qu'ils effectivement. n'ont rien à voir avec l'humaine condition. Rien à voir. Ils se comportent eux-mêmes comme des animaux Des et on animaux. continue à lutter comme des animaux. Parce que nous ne voulons pas être comme les autres. Et d'ailleurs, On ne veut pas de monnaie ou de monnaie personnelle. ça nous. Mais Oui. la coopération. Hein? Non, il faut tout donner à l'intercolonisateur. Si on ne le fait pas, oui, mais écoutez, s'ils nous abandonnent, si la France nous abandonne, qu'est-ce qu'on va devenir? Et aujourd'hui, quel est le Sénégalais qui n'est pas fier de savoir que son enfant se trouve à Paris? À Paris. Voilà. Voilà. Que son enfant se trouve à Dakar. Non. Non, ça. Je sais pas. Voilà le problème. Voilà le problème. Je Il y a comprends quelque très chose qui ne bien. va pas. Et d'ailleurs, ça nous permet de rebondir Or, sur une question. Oui. Sergi, le monde ne nous respectera que lorsque nous nous respecterons nous-mêmes. Effectivement. Le monde n'a jamais respecté une communauté humaine. Émerge. La communauté française s'est fait respecter. C'est pourquoi le monde la respecte. La Respecter. communauté américaine s'est fait respecter. Parce qu'elle croit en elle-même. C'est pourquoi le Effectivement. monde croit en elle et la respecte. Nous ne croyons pas en nous-mêmes. Et nous ne nous respectons pas. On préfère toujours à notre place quelqu'un qui vient d'ailleurs. Et pourtant, le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui doit nous apprendre qu'on peut compter sur nous-mêmes. La Mais COVID-19, bien sûr. d'une façon, Imaginez-vous, oui. mais qu'on compte sur nous-mêmes ou qu'on ne compte pas sur nous-mêmes samedi, c'est que je vois ceux qui m'écoutent, qui me disent dans quel coin du monde, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique latine, en Amérique du Nord, que ce soit en Océanie, ils n'ont qu'à me dire un pays où les gens ne comptent pas sur eux-mêmes. Où Absolument. leur monnaie leur vient de l'étranger. Tout à fait. Leur monnaie est gérée par l'étranger. Tout ce qu'il y a chez eux, c'est géré par l'étranger. Tous les supermarchés que vous avez ici, c'est pour les étrangers. Les avions qui volent, c'est pas pour nous, c'est pour les étrangers. Tout ce qu'il y a, c'est pour les étrangers. Les trucs qui circulent, c'est pas nous qui les faisons, c'est pas nous qui les fabriquons, c'est pour les étrangers, c'est les étrangers aussi qui nous les vendent.
Et si je comprends bien, grand-père Maïli, donc selon vous, pour qu'on puisse vraiment voler de nos propres ailes, comme on dit, il va falloir d'abord qu'on remet en question la monnaie qu'on a, c'est-à-dire essayer d'avoir nos propres monnaies. Mais ça fait partie de notre souveraineté. La souveraineté Donc, si monétaire, oui. quelqu'un qui n'a pas sa monnaie n'est pas souverain. Il n'est pas souverain, c'est pas un pays souverain. Parce que tout dépend de la constitution de la monnaie. Absolument. Toute votre vie sociale quotidienne dépend de la constitution de la monnaie. Elle Tout à monte, fait. elle baisse. Ouais. Vous, votre monnaie ne monte pas, ne baisse Ne pas. baisse Elle pas. est fixe. Effectivement. Mais tout dépend de la fluctuation de la monnaie. Tout à Votre fait. monnaie ne fluctue pas. S'il Ouais. n'y a pas de fluctuation, il n'y a rien. Ouais. Il faut Et puis d'abord. c'est pour. Mais d'ailleurs, qu'il y ait fluctuation ou pas, il faut que la monnaie soit pour vous. Mais c'est votre monnaie. Mais quel est le pays du monde que la monnaie ne vous appartient pas? Comme on le cite. Et Mais donc, c'est sauf dire que un avis. le combat de Ousmane Sonko, par exemple, c'est un combat légitime. Le fait de penser à... Vous Voilà. dire une chose. Je vais vous dire une chose. Je suis devant les jeunes. Il est dangereux de mentir devant les gens. Mais je vais vous dire une chose. Vous avez parlé d'Ousmane Sonko. Je n'aurais jamais parlé d'Ousmane Sonko. D'accord. Mais vous avez parlé d'Ousmane Sonko. Mais je vais vous dire une chose. Allez-y. Ousmane Sonko, qu'il prenne le pouvoir, qu'il ne prenne pas le pouvoir, là, ce n'est pas le problème. C'est les idées. C'est moi qui vous le dis. Il y a des jeunes qui nous écoutent qui ont 20 ans, 25 ans. Donc, ils ont encore peut-être 40 ans, 50 ans à vivre. Ils diront un jour, j'ai une fois entendu ça, que ça m'a dit, Marie, ils le disent. Mais la vraie politique africaine, la politique que nous avons, on est dans nos pays. Quand on aura les chefs d'État qu'il faut, les représentants qu'il faut, disons, une élite politique qui en vaille la peine et qui est à la hauteur des choses, quand on aura ça, ce sont les idées. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, le problème n'est pas là. Ce sont les idées-là que drainent Ousmane Sonko, ils finiront par s'imposer. Et ce sont ces idées qui vont développer l'Afrique. Tout à fait. Pas d'autres. Ousmane Sonko, les idées de Ousmane Sonko, les idées de Koulibaly, comment dirais-je, en Côte d'Ivoire, ce sont ces idées qui vont développer le pays. Le pays. Ce sont ces D'accord. idées, qu'ils le veuillent ou non. Ça va tarder. Ça va. Nous sommes sur le terrain, jamais président de la République. Oui. En tout cas, tôt ou tard, on finira par adopter que Ces ces idées. gens-là sont en train de réussir. D'accord, très bien, parfait. Alors, vous nous avez aussi parlé de votre relation avec Senghor, vous avez approfondi là-dessus, mais par contre, votre relation avec Abdou Diouf, vous pouvez nous en parler un tout petit peu, s'il vous plaît. Non, je crois que je n'ai pas eu avec Abdou de relation vraiment particulière, parce que c'est pas la même chose. C'est-à-dire, Abdou est de notre tempérament, c'est vraiment. Vous avez un tempérament différent de Oui, celui non, très, de très Senghor. différent, très différent. C'est un administrateur qui veut que les choses soient ce qu'elles sont. Oui. Bon, le problème, c'est pas que les choses soient ce qu'elles sont, que les choses soient ce qu'elles devraient être. Devrait être, d'accord. Voilà, mais c'est pas ça le cas justement. Le plus, c'est que les choses soient ce qu'elles sont. Ce qu'elles Faut pas sont. bouger, faut rester, faut. Voilà. Alors, donc, bon, ça peut, c'est la paix est là. Ça peut conduire à la paix, tout cela. Mais une paix, enfin, qui n'est pas assise sur quelque chose de fondamental, à quoi ça sert? Tout à fait. Voilà, à quoi ça sert? Et tu sais, la vie, c'est d'abord la passion. La vie Absolument. a été construite par la passion. S'il n'y a pas de passion, il n'y a pas de sentiment, il n'y a rien. Alors, tout est administratif, tout est énorme. Alors, donc, il y a ça, mais vous savez, avec lui, c'est autre chose. Parce que j'avais de bonnes relations avec lui quand De il très était bonnes relations, oui. Premier ministre. Oui. Quand il était Premier ministre, j'avais de très bonnes relations avec lui. Et puis, c'est un homme que j'aimais beaucoup. Il y avait sa jeunesse bon, à ce poste-là. Et puis, je le prenais, en tout cas, pour un gros travailleur à l'époque. Oui. Et donc, le jour où Senghor m'avait appelé dans son bureau pour essayer de me convaincre de faire de la politique, j'ai pas voulu. Il m'a dit ceci. Il m'a dit, tu sais, Gassama, tu refuses de faire de la politique. Bon, c'est ton droit. Je te comprends.
Mais il y a une chose que je vais te dire. Ce pays ne peut être gouverné que par des hommes de culture. Ce pays ne peut être gouverné que par des hommes de culture. C'est Léopold Sédar Senghor qui vous avait dit ça, oui. Il m'a dit ça clair. Il m'a dit ça, ce pays ne peut être gouverné que par des hommes de culture. Donc c'était pour dire qu'il faut que je fasse absolument la politique. La politique. Que le pays soit parmi les gouvernants. Bon, moi, ça ne m'intéressait pas. Mais à tout. Mais Senghor m'a dit, bon, très bien. Il m'appelle un autre jour encore. Et la semaine suivante, pour me dire, tu sais, moi, j'ai été remaniement, bon, je t'en parlerai plus tard, mais tu sais, que ça m'a tu serais bien à la culture, tout ce truc comme ça, voilà, tu vas apporter beaucoup, beaucoup apporter. Bon, il m'a dit ça, je suis sorti de son bureau, j'ai appelé à tout. L'histoire, là, je l'ai raconté dans mon livre, donc si je mentais, je ne l'aurais pas dit. Effectivement. Voilà, parce qu'Abdou est vivant, Abdou est vivant. Tel qu'on n'est pas vivant, mais Abdou est vivant. Est vivant, oui. Alors, j'ai appelé Abdou. J'ai dit, vous savez. Non, cette fois-ci, je ne l'ai pas appelé parce que je me suis dit, bon, je vais vous débrouiller pour que le père revenu de gauche puisse sa position. Oui. Mais il y avait Pierre Lorte. Pierre Lorte, c'est un grand peintre, ami de Senghor. Oui. Qui a créé l'école Poto-Poto de Brazzaville. D'accord, Congo. L'école de peinture qu'on appelle Poto-Poto. C'est Pierre Lorte qui a créé ça. C'est très prestigieux hein, comme école. Il était un ami de Senghor. C'est un ami de Senghor. Alors, quand il a quitté le bureau de Senghor, il est venu me voir dans mon bureau. Ah, il me dit que ça va, mais félicitations. Hein. J'ai dit, mais Pierre, pourquoi? Ah, mais tu sais, le président, il tient vraiment à ce que tu sois ministre de la culture. Je crois que le prochain ministre de la culture, c'est toi. Alors, c'est à cause de ça que j'ai appelé, que j'ai fini par appeler Abdou. Et je lui ai dit, monsieur le Premier ministre, je voudrais vous voir, c'est très urgent. Il me dit, ah bon, c'est urgent. J'ai dit, vous venez. Alors, je suis allé le voir et puis je lui ai parlé de ça. Je lui ai dit, vraiment, pour rien au monde, je ne veux être ministre de la culture. Entrer dans le gouvernement. Je ne veux pas entrer dans le gouvernement, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Ouais, je lui ai dit, vraiment, ça ne m'intéresse pas du tout. Et qui est-ce que ça ne m'intéresse pas? Et pourquoi vous n'avez... oui, allez-y. Hein? Pourquoi? Mais je dis que je tiens à ma liberté. Parce que je fais des recherches. J'écris. Et j'écris beaucoup. Donc, il y a tout ça. Et ça, si j'ai certains postes, je ne pourrais rien faire. Rien faire, d'accord. Je vais être là où il y a les bas-étiens. Parce que le travail concret, je peux le faire. Oui. Mais les bas-étiens ou autres là, recevoir le machin, ça va me faire perdre beaucoup de temps. Alors, je dis que je ne fais pas. Alors, donc, je lui ai dit ça, je lui ai demandé vraiment de m'aider. Je l'ai supplié. Il m'a dit, ah, Gassama, moi, je sais bien voir. Il dit, Marie-Lie, parce que lui, il m'appelle Marie-Lie, le Senghor m'appelle souvent Gassama. Gassama. Alors, il m'a dit, ouais, il m'a dit, Marie-Lie, je vais voir ça. Je vais voir ça, je vais jouer. Alors, je vois qu'il a dit Senghor, il l'a dit, bon, finalement, le gouvernement a été consulté, il n'y a pas mon nom. D'accord. J'étais tellement content ce jour-là. De ne pas avoir votre nom. Le lendemain matin, dès que je suis arrivé au bureau, j'ai appelé Abdou. Oui. Le matin de bonne heure. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, mais vous pouvez me recevoir. Il m'a dit, oui, il n'y a pas de problème. Non, il n'hésitait pas du tout. Hein. Donc, je suis allé le voir. Oui. Voilà, je suis allé le voir et je lui ai dit, bon, je ne suis pas entré dans le gouvernement. Je suis certain que vous avez fait quelque chose. Mais, monsieur le Premier ministre, pour vous dire, pour vous récompenser. Pour vous rendre la monnaie, je vous dis un truc que je suis unique pour vous. Oui. Il me dit, ah bon? Je dis, oui. Il dit, c'est quoi? Je dis, un livre. Ah, il me dit, tu vas écrire un livre sur moi? Je dis, non. Ah, qu'est-ce que. Un livre comment? Tu vas m'acheter un livre pour moi? Je dis, non, pas du tout. Un livre de vous. Vous allez écrire, vous allez faire un livre. Ah, vous allez faire un livre. Donc, je vais faire un livre avec vous? Je dis, non. Je vais faire un livre à partir de vos réflexions. Il me dit, comment ça? Alors je lui dis, vous allez demander à votre chef du service de la communication, le chef du service de la communication, de m'apporter l'ensemble de vos discours depuis le jour où vous avez été nommé Premier ministre jusqu'à ce jour-là. Je vais vous faire un livre thématique. Et c'est uniquement votre pensée qui sera là. Thématique, je mets l'armée, tout ce que vous pensez de l'armée.
Oui. Vous avez parti de l'armée pendant tout le temps que vous êtes à la primature. À la Ça fait primature. 20 ans. Ça fait 20 ans. Oui. Et de tout ce que vous pensez de la femme, tout ce que vous pensez de l'école, tout ce que vous pensez de tel secteur, de tel secteur, de tel secteur, j'étais en livre. Je fais, mais je dis, il n'y aura pas une seule phrase dedans qui soit de moi. Ah Ce ouais. sera de vous. Et je vais faire de manière que, quand on lit le livre, on a l'impression de lire quelque chose de tout à fait De inutile. effectivement. Voilà. Ça dit que il y a, ce n'est pas en tronçon. Non, mais une lecture, comment encore, rapide et cohérente. Tout à fait. Il me dit, ah bon? Je dis, ouais. Et c'est comme ça que le fameux livre, personne ne sait qui a écrit ce livre-là. Oui. Ça s'appelle Le sursaut national. Le sursaut national. Ouais. C'est vous qui l'avez écrit? Non, c'est le livre d'Abdou Touf. C'est le livre que j'ai écrit pour lui. Je D'accord. n'ai pas écrit le livre. C'est-à-dire, c'est un recueil de textes. Oui. Mais un recueil de textes vraiment cohérent, Oui. thématique, Oui. cohérent. Oui. Quand tu lis, tu as l'impression de lire un livre d'un trait. Ça D'accord. s'appelle Le sursaut Le national. sursaut Mais son national. livre qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs, ouais. Mais ça Ok. s'appelle Le sursaut national. Et j'ai refusé de mettre mon nom. Et quand je viens de dire que ces textes de Abdou Diouf ont été rassemblés par Marie de Gassama, Basile c'est Gassama. qu'Abdou Diouf même m'a suggéré. Je dis, non, il ne met pas Tiens, mon nom. vous avez Donc moi, refusé. j'ai dit, non, j'ai refusé parce que je dis que les politiciens, j'ai dit aux politiciens, ils vont croire que je suis en train de chercher un poste et je vais commencer à avoir des adversités. Et oui, ce qui est vrai, je dis, ça n'est pas beau gentil, je ne suis pas fait pour avoir un poste. Non. Et pourquoi Mon nom grand-père, n'est pas là-dedans. vous avez Quand eu ils m'ont dit l'occasion. de faire la préface, j'ai refusé, je me dis, mais il faut demander à Thiam de faire la préface. C'est Thiam qui a fait la préface. D'accord. Voilà. Vous Alors, verrez que Thiam a fait la préface, ça s'appelle le sujet national. Les étudiants qui m'écoutent, pour avoir ça le sursaut national, tout à à fait. la librairie, Libre. comment dirais-je, à la bibliothèque de l'université. Ah, tout à fait. Ouais, ça s'appelle le sursaut national. Parfait. Quand il est nommé, alors, et le sujet national, ils l'ont gardé. Et c'est le conseil que je lui ai donné. Oui. Et que le jour où le président Basque et le président Senghor va partir et que lui, il va prendre le pouvoir, paf, on sort l'ouvrage. Et ce qui s'est passé, dès que Senghor est parti et que lui, il a pris le serment, le lendemain, on a lancé l'ouvrage. On a commencé à distribuer l'ouvrage au Sénégal Au et à Sénégal. l'extérieur. D'accord. Voilà. Donc c'est après que Senghor et Abdou Diouf est devenu président que voilà, il vous Président, a. alors, c'est pourquoi, voilà, donc, ah ouais, il est devenu président. Oui. Quand il est devenu président maintenant, parce que je lui ai dit, comme on était à la fin du mandat Du de mandat de Senghor, Senghor, oui. donc, Senghor va aller donner le pouvoir à Abdou Abdou Diouf, Diouf. pas du mandat de Senghor, mais du départ de Senghor. Oui, le départ, On oui. était à la veille du départ de Senghor, Oui, tout à quand fait. j'ai fait l'ouvrage-là, à 2 mois ou 3 mois. Voilà, donc j'ai fait l'ouvrage, et j'ai été conseillé d'attendre dès qu'on prend ses mains et qu'on distribue l'ouvrage. Et D'accord. toujours, les gens sont en contact avec sa Avec pensée. sa pensée, oui. Voilà. Voilà ce que nous avons fait. Et je crois que ça a très bien marché. Oui. Et maintenant, pour que je vous raconte l'histoire, alors, donc, c'est pourquoi quand tu m'as appelé Oui. pour entrer dans le gouvernement, quand il m'a appelé pour entrer dans le gouvernement, vraiment, ça ne m'a pas touché. Parce que, quand les gens, j'étais en mission, je faisais le tour de l'Afrique là, dans Oui. le cadre de mon travail, dans le cadre du Oui. CLAC, Oui. pour l'implantation du CLAC, j'étais en train de faire la tournée, Oui. ils m'ont cherché partout, collègues m'a trouvé finalement à Bamako. D'accord. Parce qu'il a appelé tous les ambassadeurs Monsieur Jean Collin, c'est ça? pour savoir où est Jean Collin. Alors Jean Collin m'a appelé, il m'a dit, ah, le président a besoin de vous. Ah, j'ai dit, mais je suis en tournée, dans le cadre professionnel. Non, 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 vraiment, vous suspendez ça, vous Vous venez, revenez? on vous envoie le billet, etc., etc. Hein, ce n'est pas la peine de venir avec le billet de votre organisation. Alors, c'est comme ça que je suis rentré ici. Mais quand les gens m'ont dit, il y a un remaniement ministériel en vue, donc c'est pour ça que je dis non. Je ne m'appellerai plus jamais pour entrer dans le Jamais gouvernement. dans le Parce que gouvernement. j'avais cette certitude-là. Oui. C'est lui qui m'a aidé à ne pas entrer dans le gouvernement Dans de le Senghor. gouvernement de Senghor, oui. Cette histoire, je l'ai racontée, je le dis dans mon livre Politique et politique au sud du Sahara. Oui. Et Abdou Diouf l'a lu.
Il allait démentir, oui. Voilà. Alors, donc, il m'appelle, finalement, je suis venu. J'ai vu Colin, Colin me dit, bon, après-demain, le président, c'est d'accord. Donc, les gens viennent me voir, on me dit, ah, c'est pour entrer dans le gouvernement. Je dis, non, 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 pas ça, pas ça. J'étais sûr. Et les gens étaient sûrs que c'est pour entrer dans le C'est dans le gouvernement, oui. gouvernement. Voilà. Alors, donc, finalement, il m'a appelé, j'étais assis là, voilà, je dis, récemment, je vais arriver. Il faut que tu mettes. Tu dis, ah bon? Encore faisant, il me dit, non, non, passe. Alors là, je dis, parce que pour moi, c'est un dossier qui va me copier. Oui. Voilà, il me dit, il faut que tu le mettes, ne serait-ce que pour 1 an, 2 ans, et puis après, tu m'en vas. Je dis, ah bon? Il dit, fais quoi? Il me dit, oui, mais tu sais, le ministère de la Culture, ça ne va pas, donc je veux que tu prennes en main le ministère de la Culture, que tu le mettes sur les rails. Ce que je te demande, c'est de le mettre sur les Sur rails les rails, ici. tout à fait. Voilà. Est-ce que tu peux me faire ça? Mais je te dis, en ce moment-là, c'est pour la première fois que je sais de ma vie que l'angoisse, quand on a l'angoisse, c'est dangereuse. Oui. Et quand on a l'angoisse, ça paralyse les membres. Effectivement. Là où j'étais assis, je ne sentais plus mes jambes. D'angoisse. Mais qu'est-ce que je vais répondre à cet homme-là? Je n'ai pas préparé. Oui, vous l'avez, vous avez Je ne m'attendais pensé. pas à ça. Oui. Que lui, un jour, il me dit, je sais que tu ne veux pas ça parce que tu m'as dit que tu ne veux pas être ministre à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça. À cause de ça. Alors, il se donne tout. Ça, tu ne feras pas de politique, tu ne feras pas ceci, mais tu ne feras pas vraiment. Alors, donc, il m'a raconté tout ce que j'avais dit parce que c'est quelqu'un qui a une mémoire éléphantesque. Oui. Une grande mémoire. Je Oui. n'ai jamais rencontré ce Ibader Diop. Abdou J'ai Diouf. rencontré dans ma vie deux hommes qui sont extraordinaires pour ce qui est de l'ampleur, de ce qui concerne l'ampleur de leur mémoire. De la C'est mémoire. Abdou Diouf et Ibader Diop. Abdou Diouf et Ibader Diop, d'accord. Ibader Diop. Alors D'accord. donc, moi je pensais qu'il a dit à tout ça. Tout ce que je lui avais dit ce jour-là. Il dit, je suis d'accord pour ça. Le mari, je suis ton frère, je veux que tu m'aides. Mais c'est comme ça que je suis C'est comme entré ça dans que le vous êtes gouvernement devenu deux mois. ministre. Et quand je me suis levé, au moment de partir, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas marcher. Mais oui, Oui, tout à fait. mais c'est vrai, je ne pouvais pas Ouais, marcher. je comprends. Alors, je me suis traîné comme ça, il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non, ça ne va pas, j'ai de la fièvre depuis ma mort. Ouais. Il dit, ah oui, mais dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est de le laisser aller te soigner d'abord. Ah, il m'a pris par la main, et puis on est allé jusqu'à la porte, je me suis adossé là, sous le mur, Oui. contre le mur, et puis je continue à parler avec lui. Mais quand je suis sorti, comme je ne veux pas aller loin, Oui. je marchais tout doucement, je suis entré dans son secrétaire pour m'asseoir, et il est aussi de la chaise sans rien demander à sa secrétaire. Tout Et à la fait. secrétaire avait cru que j'étais venu parce que j'étais heureux. Et puis il me dit, ah, c'est bien, hein? Je dis, oh, oui, c'est bien. C'est formidable, mais tu vois, le président Conte, ça vous dit, ça, je le sais. D'accord. Alors, mais elle ne sait pas que moi, j'étais venu pour me reposer. Pour vous reposer. Oui, pour me reposer, pour que je puisse sentir Ouais, vos jambes, la pression là effectivement. sur mes jambes et Oui. autres. Le sang ne coulait plus. Parce que vous ne Je vous soufflais attendiez pas. pas, en fait, à Le la sang ne nouvelle coulait qu'on pas. venait vous annoncer, oui. Tout à Donc, fait. Très voilà. bien, je comprends. En tout cas, ça a été vraiment. Voilà. C'était extraordinaire, en tout cas. En tout cas, je rappelle aussi que vous êtes aussi un homme de lettres, voilà, comme vous l'avez souligné maintes fois ici, dans notre, à travers Alors, notre donc, discussion, oui. j'ai oublié une chose, hein, parce que tu m'as parlé de la carrière. C'est Oui. très long, hein, je ne sais pas si on n'embête pas les jeunes, Non, là. on n'embête pas les jeunes. Si Je tu veux pense que c'est prêter une occasion parce que ça n'arrive petit qu'une seule enfant fois. là et qu'il se fait sacher à leur alimentation et autres, En tout cas, il n'y a pas de voilà. problème. Vous pouvez, voilà, allez-y. Bon, on est en train d'en Voilà. Et profiter d'ailleurs. donc, Bon. c'est-à-dire, donc après ça, tu sais, donc dans le gouvernement, j'étais un peu déçu, hein. Très déçu, j'ai très déçu dans le gouvernement parce que j'avoue, le président, je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps, j'aurais pu lui dire ça, hein. J'aurais pu lui dire ça très sincèrement. Je n'ai pas pu travailler comme j'aurais souhaité. Ouais. Parce que la plupart des projets que je proposais étaient refusés, pour des raisons, et ainsi de suite. Non, je n'ai pas travaillé, j'ai passé un très mauvais moment. À la tête du ministère, contrairement à ce que les gens croient. D'accord. Ils croient que j'ai beaucoup fait. Non, mais ce que je compte faire, mais c'est pas le dixième de ce que je comptais faire. Ah ouais. Je
c'est à la tête de l'agence de coopération culturelle Tigré que j'ai vu vraiment ce que je comptais faire. Oui. Personne, vraiment là, j'avais cette liberté-là. Je n'avais pas dit que je n'avais pas d'adversité. J'avais énormément d'adversité. Mais je tenais, et je pouvais tenir. Mais là, au ministère, je t'avoue que c'était très difficile. Fonction que vous avez occupée pendant 5 ans, c'est ça? Que, où ça? Ministère de la Culture. À la zone de coopération. Oh non, ministère de la Culture, je suis resté combien de temps? 3 ans. 3 ans, je crois. 3 ans. Hein, oui, parce qu'il est marqué 89 en 84. Je reste un an pour faire beaucoup de choses. Ouais. On aurait dû faire beaucoup de choses. Oui. Même en un an. Oui. Mais je n'étais pas libre. J'ai senti que la liberté là était factice. Elle n'était pas réelle. Et qu'on est posé sur tout. Oui. Voilà. Ah non, non, il était posant. Posant. Alors, vous étiez ministre, mais franchement, c'était. Vous avez occupé. La même chose. Vous avez occupé cette fonction, en fait, malgré vous. Moi, c'est ça. Je n'ai pas fait ce que j'ai voulu faire. Hein. Ouais. Par exemple, je devais faire le festival. Il m'a désigné quelqu'un qui n'est pas à la hauteur. Qui est un ami qui est un grand intellectuel. Mais il ne suffit pas d'être un grand intellectuel pour organiser un festival. Hein. Ah, il faut avoir le sens de l'organisation. Il n'a pas ce sens de l'organisation. J'ai tout fait pour le faire remplacer par quelqu'un. Pas quelqu'un que je souhaite, mais qu'il choisisse quelqu'un d'autre que celui-là. Mais impossible. Impossible. Impossible parce que l'amitié qui le lie à celui-là est tellement forte. Mais il n'y a pas d'amitié forte devant l'État. Oui. Ah non, il n'y en a pas. Ouais. Et c'est ça que je lui reproche. Tout à fait. Oui. Et d'ailleurs, c'est mal séparé, hein, ça, je vous le dis. Ah oui. C'est très mal séparé. Ouais, mais les gens croyaient qu'on s'est mal séparé parce que je suis sorti du gouvernement et qu'il m'a renvoyé. Non, il ne m'a pas renvoyé. C'est vous qui avez démissionné? Non. Ah non, non, je ne suis pas démissionné, non. Il n'y a eu ni renvoi ni démission. C'est que il a été acculé par les Kiboka. Oui. Et son oncle. Et pour une autre personne. Il a été acculé par ces gens-là. Pour que le gouvernement, dans le gouvernement, il n'y ait que des hommes politiques. D'accord. Effectivement, parce que lors des dernières élections, ils ont failli échouer. Je crois d'ailleurs qu'ils ont échoué, mais ils ont triché. Bon, ils ont failli échouer. Et l'opposition, conduite par le vieux. Comment était-ce qu'il s'appelle encore? Watt, oui. Je crois qu'il avait. En tout cas, le régime était en ballotage. En ballotage. Le parti au pouvoir était en ballotage. En ballotage, d'accord. Mais ils ont réussi à s'en sortir. Et pourquoi? Ils ont réussi à s'en sortir. Alors, donc, ils ont dit que, oui, s'il y a ces échecs-là, c'est parce qu'il y a beaucoup de ministres. Il est vrai qu'il y a eu beaucoup de ministres à l'époque. C'était un gouvernement. Qui n'était pas des politiciens. Non, qui n'était pas. C'était pas uniquement des politiques, mais il y avait aussi des technocrates, quoi. Des technocrates, voilà. Des technocrates. Et il y avait moi, il y avait le ministre des Affaires étrangères, Ibrahima Fall. Oui. Il y avait Ibader Kiam, oui. Il y avait Marie Sarbaud, il y avait Koumba Aïta. Tous ces gens-là ne faisaient pas de la politique. Et pourquoi vous n'avez pas fait de la politique, en fait? C'est ça que je voulais savoir. Pas. Ça ne m'intéresse pas. Mais ça ne m'intéresse pas du tout. Vous avez vu de quelle vulgarité se trouvent ces hommes politiques? Vous voyez ça? De quelle vulgarité? Tout ce qu'ils ont, ils volent. Ils volent. Et ils ont érigé ça en vertu. Le vol est érigé en vertu. Ils sont applaudis partout parce qu'ils ont de l'argent, mais de l'argent des autres. Ouais. Ils distribuent l'argent des autres. Mais moi, le peu que j'ai essayé de l'investir et j'en suis heureux parce que je sais que quand j'étais au petit poulailler, ce poulailler-là, tout ce qui est entré là-dedans, je n'ai pas volé. Et dans ma vie, tout ce que j'ai pu avoir, aujourd'hui, je vous le jure, j'ai l'habitude de dire ça, les amis, je vous le jure, aujourd'hui, on me dit, comment vous avez pu acquérir ça? J'ai des preuves. Je vous montrerai les preuves par lesquelles j'ai pu réaliser cette réalisation-là. Des preuves concrètes. Et qui montrent que l'argent ne vient de nulle part, ni sous la table, ni ailleurs. Je n'ai jamais été corrompu par qui que ce soit. Personne ne peut dire que je lui ai un jour rendu service et que j'ai accepté un jour de lui. Personne.
Très bien. Pour dire également que j'ai pris l'action de l'État, j'ai fait avec ça, ceci ou cela. Jamais au grand chef. Je pense qu'il est. Non plus c'est... ne peut dire récemment, dans le plus grand secret, je l'aime et je lui ai donné de l'argent. Personne. Bongo était un homme qui m'aimait beaucoup. Mm-hmm. Énormément. Il a même envoyé son avion à Dakar pour me faire soutenir. Bongo, le président, oui. Le président, Bongo. Bongo, oui. Il a envoyé son avion ici pour me chercher. Parce que je l'ai rendu un grand service à la tête de l'organisation francophone. Francophone, d'accord. Un grand service, il a frisé vraiment une situation de honte et d'humiliation. Et il s'est rendu sorti. Oui. D'accord. Alors, mais Bongo m'a envoyé ici son avion pour que j'aille le rejoindre. Mais je jure sur la tombe de ma mère. Sur la tombe de ma mère, je n'ai pas pris, je n'ai jamais pris un sou de Bongo. Il m'a jamais donné un sou. Et je ne l'ai jamais réclamé un sou. Voilà. Donc, je n'ai rien. Le pot que j'ai, c'est uniquement par l'action de mon front. L'action de votre front. C'est très important à souligner. Vraiment. En tout cas. Je le dis à cause des enfants, des jeunes qui sont en train de nous écouter. De nous écouter, oui, surtout. Le Congo, moi, je ne dis pas que j'ai réussi. Respirer librement dans ce monde-là sans faire de la politique, sans avoir volé, oui. Il suffit de s'organiser, sans avoir volé. Il suffit de s'organiser avec le bon qu'on a. Si vous vous organisez avec intelligence, vous pouvez aller très loin. Les gens croient que vous êtes sur des milliards. Donc, c'est pas vrai. Un conseil très important, oui. En tout cas, vous serez heureux, oui. Voilà, vous pouvez être heureux sans avoir volé. En tout cas, merci beaucoup pour ce beau conseil, grand-père Mahili Gassama. Donc, j'ai une question pour vous rapidement. Qu'est-ce qui est à l'origine, en fait, de votre goût à la littérature? Parce que nous voyons que vous êtes vraiment... vous aimez trop la littérature, surtout la littérature celle africaine. Mon père. Donc, mon votre père. Papa. Ouais. C'est-à-dire? Il m'a jamais enseigné pourtant. Il m'a jamais enseigné. Mais mon père, l'atmosphère qu'il y avait dans la famille, j'entendais d'abord... dans la famille des poèmes. Des poèmes en arabe. Oui, de grands poèmes lyriques. Très lyriques. Des poèmes dédiés aux prophètes. C'est votre grand poème. Donc, votre papa, il était un grand poète, en fait. En arabe. En arabe, oui. Tout à fait. Oui, oui, en arabe, oui. Une langue extrêmement harmonieuse. Donc, c'est l'harmonie. L'harmonie. On est habitué à ça. Je sens, j'entends ces poèmes-là. N'est-ce pas? J'entends le rythme. Je vois le rythme, la variété des rythmes. Oui. Et la variation aussi des rythmes. J'entends ça dans le même poème. Alors, ça m'a beaucoup marqué. Et à cause de ça, mon père organisait des séances de lecture, d'enseignement. C'est-à-dire les grandes personnes arrivent. Oui. Ça, c'est pas les petits-enfants, hein, c'est vraiment les personnes âgées, oui. les personnes parfois très âgées, oui. Et qui viennent avec un ouvrage. Et surtout, il enseignait aussi les œuvres pré-islamiques. D'accord. Oui, il enseignait toutes ces œuvres post-islamiques et pré-islamiques. Non, c'est post-islamique. Et pré-islamique, il enseignait ces œuvres-là. Oui. Et c'est des œuvres d'une haute qualité littéraire. Que le prophète a demandé de les laisser. Et de continuer à les enseigner parce que c'est des œuvres qui ont été écrites au temps où l'islam n'a pas encore existé. Existé. Mais d'une beauté extraordinaire. Extraordinaire. Alors, le père, et ces poèmes-là, il y a une séance, c'est une mise en scène. Mm-hmm. Mon père est là pour la traduction. Mm-hmm. Il y a quelqu'un qui lit le poème. Mm-hmm. Il lit le poème. Et mon père donne la traduction, c'est quelque chose de merveilleux. Et ces traductions-là dans la langue, dans notre langue mandingue, parce que le mandingue, c'est une. Le mandingue, djangue, c'est la même chose. Même chose pratiquement. Mais le mandingue est encore plus politique que le djangue. Oui. Parce que, je sais pas, si on a l'occasion, on pourrait revenir là-dessus. Mais le mandingue est beaucoup plus politique que le djangue. Inch'Allah, on va revenir. Mieux à la poésie que le djangue. Le djangue, ça prête surtout à la chanson. Et c'est pourquoi nos femmes chantent bien. Chantent bien, oui. Mais nous sommes pour chanter dans nos langues-là, dans les langues mandées, ils sont obligés de chanter en mandingue. En mandingue. Alors, il y a le Taslima. Oui. Quand ils chantent, ils ne chantent pas en djangue. Oui.
Tout à C'est le fait. mandek qui les tue. Parce que le mandek est beaucoup plus utilisé pour prier. Oui, d'accord, j'ai compris. Ah oui, le mandek est plus utilisé pour prier. Il faut qu'on ait une édition là-dessus pour que je puisse te faire Oui, on comprendre. va en Parce que c'est revenir. utilisé pour Oui, prier. Voilà. franchement, il faut qu'on en Parce que c'est revienne. utilisé pour prier. Oui. Et Alger, soirée, bah aussi son grand frère, Oui. son cousin, Oui. qui était aussi un grand poète mandek. Mais D'accord. c'est la même chose. Mais c'est de côté diabo. Hein? C'est de côté diabo. Oui, c'est au côté d'Abo. Oui, Extraordinaire. c'est au Mais côté c'est une d'Abo. poésie qui est comparable à celle de Victor Hugo. Ah oui, comparable à celle de Victor Hugo. Mais tout ça, on a négligé. On a, voilà. Et donc, l'inspiration est venue de ces gens-là, notamment votre Alors, donc, papa. quand j'écoutais tout ça, parce que Senghor, en fait, Senghor a passé toute sa vie sur une seule idée. Ouais, toute sa vie. L'Afrique a une civilisation. Oui. Tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'est ça. L'Afrique a une civilisation. Et comment l'idée a lieu pour lui? C'est quand Koumando Fenn Fouss, on est à Joal, Oui. avec sa cour, Oui. et entouré de tam-tam, de tambours, et qu'il entendait le son des tambours Oui. et la voix des griots. Oui. Qui criait. C'est ça qui a fait croire à Senghor que l'Afrique a une civilisation. Civilisation. Alors moi, j'allais derrière la porte. Parce qu'il n'y a que des vieux, des personnes âgées qui étaient là. J'allais derrière la porte. Et ils écoutaient mon père en train de traduire. Et eux-mêmes, vous savez, quand le texte arabe, qui est extrêmement poétique, et le texte mandingue, qui va sortir pour traduire et qui est extrêmement poétique. Et quand tes deux poétiques se rencontrent, tu entends les vieux eux-mêmes éclater de rire. Ouais. Ouais, ils éclatent de rire. C'est de joie, de. Ouais. On sent qu'ils sont en train de dévorer quelque chose. Et moi, j'étais là devant la porte, derrière la porte, j'ai regardé, j'ai regardé, j'écoutais. D'accord. Ah, j'écoutais. Parce que le mandat, c'est. Alors, donc c'est comme ça que le rythme, hein, c'est comme ça que j'ai senti le rythme, j'ai senti le rythme africain, Africain. qui n'a rien à voir avec le rythme arabe, Arabe. mais qui est un rythme aussi, Si, si. aussi noble que ne Non. soit que le rythme arabe. Arabe. Mais c'est quelque chose de fantastique. Alors c'est comme ça que, D'accord. finalement, et même mon style, Oui. ma manière d'écrire, D'écrire. d'ailleurs je l'ai dit un jour à Senghor, je lui ai dit, même ma manière d'écrire, ça vient de ça. D'accord. Ouais, ça vient de ça. Ça vient de ça. Parce que je vois comment il balançait les phrases Les phrases, et oui. comment il abordait les phrases. Oui. Comment ça éclatait. Hein? Alors je vois comment ils arrivaient à créer des courts-circuits poétiques. Oui. Tout d'un coup, au moment où tu ne t'attends pas du tout, paf, un court-circuit poétique. Alors là, quand ça arrive, tu les entends éclater de rire. Et tu regardes. Ah, mais c'était très beau, ça. Ouais, C'était très beau. extraordinaire. Alors, c'est comme ça que ça m'a poussé vers la littérature. D'accord, très bien. Et vous pouvez nous dire Mais si comme... maintenant, bon, pour ce qui est de la critique Oui, littéraire, oui. ça, c'est Lançon, n'est-ce pas, un grand critique littéraire. Et comme au lycée, j'ai eu un prix, j'ai eu le prix des lettres. Oui. Donc, on m'avait donné une grosse encyclopédie écrite par Nathan L. Lyon. D'accord. Alors, donc, ah oui, alors, donc, dans cette encyclopédie-là, il y a la critique de Lançon que j'ai vue. Alors, c'est magnifique, c'est comme ça. Et donc, là aussi, le style me convenait. Tout à fait, Voilà. je comprends. Et Alors. c'est là où j'ai senti d'ailleurs, tu sais, on peut créer des choses. Non, il faut qu'on cause avec les jeunes. Oui. Et c'est là où j'ai senti. Mon père, après, quand j'ai fait le lycée, j'ai commencé à sentir ce qu'il y a de commun entre la littérature française et la littérature de chez nous. De chez nous. Oui, de chez nous. C'est comme ça que j'ai commencé à sentir. Et j'ai senti une chose. Tu sais, la littérature la plus proche de nous, en Europe, Alors, oui. et les Européens ne vont pas courir à ça, c'est la littérature du 17e siècle. D'accord. Oui. Racine,
Corneille. Corneille, oui. Platine et Corneille parlent comme nous parlons en Afrique. En Afrique. Et je vous jure, quand j'entends certains vers de Racine, le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. À des choses comme ça, captive, c'est Adrama qui parle à Pyrrhus, Pyrrhus qui voudrait l'épouser, alors que Pyrrhus venait de tuer son mari. Alors quand Adrama, captive, toujours triste, importune à moi-même, pouvez-vous souhaiter qu'Adrama que vous aime? Mais cette tournée de phrase, je vous jure, quand j'entends ça, j'entends mes mères là. Ouais. Les mères, les mamans. Ouais. Les mamans, quand j'étais avec eux, avec elles, et se mettaient à parler, je les entendais comme ça. Mais c'est un style purement africain, Et les gars. vous savez, grand-père, parce que là, vous parlez, mais vous me donnez en même temps l'amour d'avoir. C'est comme si, parce que ça donne en fait l'envie. Voilà, vous êtes en train de me donner déjà l'envie de, voilà, d'aimer la littérature, même si je sais que j'ai. Contrairement à ce Oui. qu'on voit, nos mères sont très inspirées. Ah non, 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 mais quand il est écouté en train de causer, mais et ou bien encore, là où vous trouvez vraiment que c'est des gens extrêmement cultivés, c'est lorsque un membre de la famille parmi nous, les garçons leur garçon, il y a un qui va chercher une fille quelque part Oui. hein, pour l'épouser. Mais elles, quand ils ont déjà vu cette fille, entre elles, la personne qui a vu, il décrit la fille. Mais mon cher ami, il faut entendre nos mères décrire une fille pour montrer qu'elle est vilaine ou pour montrer qu'elle est belle. Ah, pour décourager le prétendant ou bien pour l'encourager. Ah, Oui. mais c'est merveilleux, merveilleux, Ouais, très merveilleux. merveilleux. Voilà. En tout cas, Mais alors, tout ça, on néglige. On Oui. croit que non, ils ne sont pas cultivés, ils n'ont pas été à l'école, donc Oui. ils sont sans civilisation. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vraiment. En tout cas, on aura l'occasion vraiment de revenir sur ça. Surtout, normalement, je pense que la prochaine émission, on va surtout parler de la littérature en tant que telle et les écritures, bien sûr. Voilà. Donc, la question que je voudrais vous poser tout rapidement, c'est tout simplement, combien d'ouvrages avez-vous en fait publié, vous? Oh, je ne connais pas le nombre en fait. C'est-à-dire, l'ouvrage seul, tout seul, oui, je connais le nombre. Et aussi les ouvrages que j'ai conduits. D'accord. Parce que Kouma était mon premier Oui, ouvrage. comment c'était votre premier ouvrage, Oui, tout à fait. le premier ouvrage, mais un des meilleurs, un des meilleurs, je vous assure. Oui. Mais C'est. comme quand je l'ai écrit, à cause de Kouma d'ailleurs, finalement, je n'ai pas fait une thèse. Parce que c'était très difficile de faire une thèse après avoir écrit un livre comme ça. Donc c'est un livre qui Parce que vous a propulsé en fait. oui. Non seulement pour le plaisir, mais c'est que vraiment j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Alors, donc c'est après un livre comme ça, c'est extrêmement difficile d'écrire une thèse. D'accord. Ceux qui nous écoutent parmi les étudiants Oui. qui sont en train de faire les thèses, ils doivent le savoir. Si jamais ils lisent Kouma, ils se rendront compte qu'effectivement, Oui, parce quand que on écrit comme ça, c'est très difficile après il y a beaucoup de de personnes suivre. d'ailleurs qui me signalent qu'ils ont lu, par exemple, notamment votre fille Tina Gassama, la fille de voilà votre frère grand-père Amadou. Elle me dit qu'elle a lu, elle a beaucoup appris de ce livre, bien sûr. Voilà, et tant d'autres personnes qui m'en ont parlé aussi d'ailleurs. Donc je pense que c'était extra. Moi, en question, je n'ai pas eu l'occasion quand même de lire, mais je ferai tout en fait C'était pour. mon premier ouvrage. D'accord? Et puis après, il y a eu un critique camerounais, un grand critique camerounais, qui m'a consacré un chapitre dans son ouvrage. D'accord. Un chapitre sur Kouma, vraiment un grand chapitre. Alors, j'ai lu, je crois que le reproche qu'il me faisait, c'est que tout ce que j'ai dit, c'est bien, mais il fallait quand même que donner des exemples très concrets. Il s'appelait comment cet écrivain? Il s'appelle Matheso. Bakesso. Matheso écrivait MMETSO. D'accord. Matheso, c'est un Congolais D'accord. de Kinshasa. Un grand professeur. Oui. Alors, donc, il a écrit cette thèse. D'ailleurs, sa thèse aussi. Il a fait une thèse sur moi. Sur moi et sur d'autres autres écrivains. D'accord. Voilà. Donc, cette thèse-là est très célèbre. Très célèbre d'ailleurs. D'accord. C'est la seule thèse que nous avons sur la critique littéraire. D'accord. Oui, la seule thèse que nous avons sur la critique littéraire en Afrique, que ce soit en anglais ou en français. En français, d'accord, Voilà. très bien. Alors, donc,
pose pas une critique, mais c'est une observation. Oui. J'ai dit, mais au fond, il a raison. Il a raison. Mais je n'ai pas le temps. Bon, parce que mes fonctions, finalement, me prennent beaucoup de temps, Oui. les fonctions que j'assumais. Oui. Alors, et j'ai fini par écrire un second livre pour répondre en quelque sorte à ma question. À ma question, ok. Ouais, et ce second livre-là, c'est la langue d'Ahmed Kourma. Oui, la langue d'Ahmad Et Kourma, je l'avais montrer cité. exactement ce que je disais dans Kourma, montrer effectivement qu'il existe un style africain et que quelqu'un peut appliquer ce style africain en utilisant la langue française, ce qui n'est pas Donc, facile. on peut dire que la langue d'Ahmad Kourma, c'est la continuité de Kourma, c'est ça? Voilà, c'est la continuité de Kourma. C'est D'accord. vraiment la continuité de Kourma. Et ce que je suis en train de faire également, c'est la continuité de Kourma. Je suis en train de faire. Parce que pour moi, chaque littérature a son autonomie. Autonomie, oui. Ouais, c'est pas vrai qu'il y ait une littérature américaine, uniquement américaine. Non. Non. Une littérature. Il y a une littérature européenne, mais il y a une littérature anglaise, une littérature française, une littérature allemande, Allemande. et qui se distinguent les unes des autres. Des autres, d'accord. Et ça, les Africains ne veulent pas de ça parce qu'ils veulent être français. Français. Ils disent que non, eux, leur littérature est universelle. Ce n'est pas vrai. Personne n'est universel. L'universel, c'est quoi? C'est une somme de comment encore, des apports personnels, des apports individuels. Individuel. C'est l'individu qui crée l'universel. Tout à C'est la fait. somme des individualités qui crée l'universel. Universel. Oui, mais personne ne peut créer l'universel. On ne peut pas partir de l'universel. Et ça, les gens n'arrivent pas à comprendre. Ouais. Tu as beau détester ton pays, tu as beau détester ton milieu, tu as beau détester ta race, que tu le veuilles ou non, si c'est dans la matière, dans l'univers de création littéraire, tu es obligé de partir de chez toi. Pour nous rendre universel. Mais tu ne peux pas partir de l'université pour chez toi, il n'y a pas d'université. L'université, c'est l'ensemble des autres. L'ensemble de ce qui existe. C'est-à-dire les apports individuels. Voilà, c'est les apports individuels qui constituent l'universel. L'universel, très bien. Voilà, c'est ça, pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre. Oui, moi je viens d'écrire l'université pour montrer que je ne suis pas dans l'éto-africain comme les gens le veulent. Éto-africain. Il y a une littérature française. Ouais, Il y a une exactement. littérature anglaise, il y a une littérature nord-américaine, Oui. il y a une littérature sud-américaine. Mais c'est nous qui refusons ce qui est de chez nous, parce qu'on a peur, on a honte de nous. Alors, grand-père, j'ai une question très intéressante pour vous déjà. Il y a un internaute qui pose la question, Monsieur Jelani Abdelkhadr. Il demande comment, est-ce que vous pouvez nous expliquer le titre Kouma, comment il a été choisi en fait, le Ah titre oui, de. allez, parce que c'est à cause de la richesse du mot. D'accord. Voilà, Kouma, c'est à cause de la richesse du C'est mot. en langue Ouais, mandingue, comment parler, c'est ça? c'est ça. Parce que Kouma, en fait, il ne faut pas trouver l'équivalent en français. Si tu trouves l'équivalent, c'est tous des aspects. Tu peux trouver des aspects du mot. Alors, même c'est des mots qui ne sont pas remplacés entièrement le mot. Mais des aspects. Kouma, Koumania, Koumania. Koumania. Tu connais Koumania, c'est-à-dire Oui, la manière de la parler manière de parler, et oui. ainsi de suite. Voilà. Parce que Kouma, ça signifie beaucoup de choses. Je l'ai expliqué d'ailleurs à l'entrée de l'ouvrage. D'accord. Kouma, ça signifie. C'est un mot bambara. D'accord. C'est un mot bambara, mais très riche et très profond. D'accord. Et c'est pourquoi je l'ai choisi. Et Ouais. quand je l'ai choisi d'ailleurs, et ça aussi, je suis sûr et certain que je suis en train de parler et que parmi ces jeunes-là, il va y avoir des génies. Non, Ouais, parce que mélanger. effectivement, parce que Ah non, les gens qui parce sont que en train de nous mélanger, c'est la suivre vérité. actuellement, Il les se faut qu'il y ait des génies là. oui, il y en a des génies. Alors, le Kouma, c'est-à-dire, c'est un mot bambara. Mais un mot d'une très, très grande richesse. Richesse. Oui, une très, très grande richesse qui signifie beaucoup de choses. D'accord. Et c'est pourquoi je les renvoie à Kouma. Lui-même pour lire. C'est dans les tout premiers. Je crois que oui, c'est dans les premiers chapitres hein, de Kouma. Nous D'accord. trouverons ça dans les premiers chapitres de Les Kouma avec explications. l'explication. Parce D'accord, que le mot est parfait. bambara. Très Et bien. quand je l'ai fait, Oui. et ça, les jeunes écrivains là, ils ont cliqué.
penser à ça. Oui. Quand j'ai dit à l'éditeur, c'était Roger Dassainville, qui était un grand écrivain haïtien et qui travaille aux nouvelles éditions africaines. D'accord. Et non seulement c'est un grand écrivain haïtien, mais africain, mais également un homme très engagé. D'accord. Un homme très engagé et puis et qui connaît bien la littérature. La littérature. Très, très bien. Très Alors bien. il m'a dit, oui, il m'a appelé, il m'a dit, voilà, moi j'ai dit, texte, c'est magnifique, bon, il était le premier à l'extérieur. Oui. Voilà, le marketing. Alors il dit, mais le titre, est-ce qu'on ne peut pas changer le titre? Les titres. Et, parce que, ouais, il me dit, parce que ce que tu as mis en bas, c'est bien, on peut peut-être ça. C'est-à-dire, parce que comment, interrogation sur la littérature nègre Nègre française. africaine, oui. J'ai dit, non, non, non. Je mets comment? Pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est un Maurice. Il est africain, mais il est riche. Bon. La deuxième raison, c'est que c'est court. Et n'importe qui peut retenir comment. Comment? Tout ce qui te parle de comment, si je n'avais mis que interrogation sur la littérature nègre langue française, ils ne pourront pas te donner le titre. Oui. Parce qu'après, là, tout, tu vas oublier le titre, c'est tellement c'est long. Effectivement, alors que comment c'est facile de retenir Voilà, ça? c'est facile. Ouais. Donc, le titre est également commercial. Ouais, effectivement, vous avez Parce que raison. si tu veux écrire un ouvrage, il ne faut pas qu'il soit que qu'il y ait un titre long. Long, d'accord, Ouais. c'est un conseil Et en il y fait. a parce que le titre est très important. Oui, Le titre effectivement. est très important pour le passage, Oui. c'est-à-dire pour la transmission. Oui. Hein? Oui. Pour la transmission de comment encore du message. Le titre est un message. Il faut transmettre. Oui. Que je te rends compte, par exemple, on parle de littérature. Ah, mais comment? Attends, est-ce que tu as lu un ouvrage que j'avais lu et qui est ceci et cela? Il s'appelle. Bon. Mais si le nom est difficile, mais le gars ne peut pas trouver le nom. Ouais, tout à fait, effectivement. Donc, il faut toujours des choses simples. Oui. D'ailleurs, les ouvrages les plus célèbres sont généralement des ouvrages qui ont des noms simples. Les Fleurs du Mal, Les Misérables, de Victor Hugo, Les Oui, Fleurs du Victor Mal, Hugo, oui. voilà, Les Fleurs du Mal de Baudelaire, Oui, etc. etc. Ah, etc. c'est des noms simples. La seule œuvre qui a conclu long et vilain et qui a eu d'énormes succès, je ne connais qu'une seule œuvre. C'est C'est l'œuvre de M. Césaire. M. Césaire. Il n'y a pas une œuvre qui ait un titre aussi vilain que Cahiers d'un retour au Au pays pays natal. natal. C'est des tellement banal, Oui, c'est mais tout. En plus, c'est c'est pourtant. un. Ah oui, Oui, très, très célèbre. mais Oui, ça, tout le monde connaît ça. c'est que l'ouvrage est puissant. Ouais. Et c'est une puissance absolument surhumaine. Sans ça, l'ouvrage n'a n'aurait aucun succès. Encore succès, oui. Aucun. Parce que le titre n'est pas approprié. D'ailleurs, j'ai toujours dit aux gens que Césaire est comment dirais-je, Sénégalais, David Diop. Oui, Lamine Diop, oui. Ils se connaissent, c'est le même temps, c'est la Da même période. David Ils se Diop. rencontraient à la présence africaine. Mais en fait, David Diop et Césaire, si tu regardes bien, si tu réfléchis bien, tu pèses les deux ouvrages de Césaire, Cahiers d'un retour au pays natal et Pilon. Pilon, Le oui. Pilon de David Diop. David Diop. En fait, c'est l'œuvre de Césaire qui aurait dû s'appeler Coup de Pilon. D'accord. Et l'œuvre de David Diop qui aurait dû s'appeler Cahier Cahiers d'un d'un retour au pays. pays natal. Ok, d'accord. Et là, ça aurait marché. Ça aurait marché. Mais parce que l'œuvre de Césaire, chaque poème, et je peux vous dire que chaque vers est un coup de pilon. Bam! Et qui fait mal. Qui fait D'accord. très mal. Voilà. Sur l'œuvre de Césaire. Voilà. D'accord, très bien. Alors là, grand-père, voilà, nous venons au terme de notre émission. Mais par contre, j'aimerais vous poser une question d'abord. Que préconisez-vous en fait pour la promotion des jeunes talents en matière de littérature et d'art à Marsensum et en Pardon, particulier? je n'ai pas bien compris. Que préconisez-vous pour la promotion des Oui. jeunes talents en matière de littérature et d'art? Pour la promotion De la littérature? de... Oui. Voilà, donc, que préconisez-vous pour la promotion des jeunes talents en Ah matière de oui, mais j'ai littérature compris, oui. et d'art à Oui. Marsensum en particulier. Non, mais c'est-à-dire, il y a des choses que je vais leur dire. Quiconque leur dit qu'il y a des règles pour écrire, leur ment. Leur ment
règles rigoureuses ne réussissent jamais. Non, ils ne réussissent jamais. Quand vous pensez, prenons parce que la littérature que nous connaissons, la littérature africaine, c'est la littérature française. Française, oui. C'est, voilà, la littérature française, prenez comment dirais-je, les poètes de la Pléiade, les Ronsard, du Bénin. Avant eux, il n'y avait pas grand-chose, non, hein, il n'y avait rien, ils ont inventé. Ah oui, ils sont partis d'eux-mêmes. Ils sont partis d'eux-mêmes et ils ont écrit de grandes œuvres. Après la Pléiade, il y avait le XVIIe siècle. Il y avait Corneille, il y avait Racine. Oui. Des grands poètes. Il y avait Molière. De grands poètes, les Bossuets, Alexis, et de grands orateurs, de très grands orateurs. Mais ces gens-là ne croyaient pas qu'ils sont partis de la littérature du XVIe siècle, des Ronsard et autres. Non. C'est leur propre intention, leur propre imagination. Après ça, il y a eu les. Et ça, on n'y réfléchit pas beaucoup. On croit qu'il faut toujours imiter. Or, nos poètes actuellement sont partis. À oui. Il y a des poètes, comment dirais-je, après le Seigneur, il y a le 18e siècle avec le Voltaire et autres. Les Voltaire, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, et Voltaire, et les autres, et Diderot. Mais ils n'ont rien à voir avec les écrivains du 17e siècle. On ne peut pas dire qu'ils sont assis sur un héritage des écrivains du 17e siècle. Non. Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Bon, le 10e siècle, le 17e siècle, le 18e siècle avec les Voltaire, mais le 20e siècle avec les Jean-Paul Sartre. Oui. Les textes de Jean-Paul Sartre, même si c'était de la philosophie comme Voltaire, qu'il a à voir avec Voltaire. Rien. Rien du tout. Absolument rien. Donc, il faut que ces jeunes-là aient confiance en eux. En eux. La confiance en soi. Il n'y a pas de règles. Vous voulez faire de la littérature, prenez la plume, dites ce que vous voulez. Essayez de le dire au mieux que vous voulez. Si vous voulez, parce que chacun de nous, au fond, quand tu t'adresses à quelqu'un, tu sais quel fibre de sa sensibilité tu voudrais secouer. Absolument. Tu le sais. Alors, c'est ce fibre-là, essaie de voir ce que tu dois faire pour secouer ça. D'accord. C'est ça, secouer. Parfait. Donc, ça veut dire que. Les jeunes qui veulent écrire, il ne faut pas qu'ils aient peur. Non, il n'y a pas de règle. Et puis, quand quelqu'un qui lit ceux qui ont écrit, il ne faut pas qu'il se décourage en disant jamais moi je ne saurais écrire parce que ça, je ne pourrais pas le faire. Non, mais le type lui-même, le texte qui a là, le texte, qui a été le lire. Le type lui-même ne savait pas qu'il pouvait faire ça. Effectivement. Non. Mais moi, chaque fois que je me mets à écrire un texte, quand je termine, je ne pouvais pas imaginer au départ que j'étais capable d'écrire comme je l'ai écrit. Non. D'accord. Là, autre chose, il y a d'autres facultés de l'être humain qui surgissent au moment d'écrire, au moment de traduire ça. L'essentiel, c'est qu'il faut être vérité. Il faut qu'il y ait la vérité. La vérité, tout à fait. Le vrai. Ça, je veux ça. Je veux défendre ça. Donc, je mets toute mon émotion là-dessus. Là-dessus, tout à fait. Et tout mon être là-dessus. Mais ça qu'on appelle d'ailleurs l'inspiration. L'inspiration, oui, tout à fait. Voilà, donc, c'est d'écrire quelque chose que vous êtes en train de donc, sentir, pas, en fait. Croire en toi-même. La croyance. Il n'y a pas, comme j'ai l'habitude de le dire, il n'y a pas d'être humain idiot. Non, ça n'existe pas. Justice, c'est une maladie. Il y a une déformation d'un organe. S'il n'y a pas de déformation d'organe, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'idiot. C'est idiot, c'est ce qu'ils veulent être idiot. Là, il faut croire, ceux qui ne croient pas en eux-mêmes. Il faut croire en toi-même. La confiance en soi. Écrit, il faut croire en toi-même. Et peut-être que c'est ton génie qui dort en toi tant que tu le saches. Oui. Je suis sûr d'une chose, Baudelaire, avant d'avoir écrit ces poèmes-là, ces beaux poèmes-là, avant de les écrire, il ne pouvait pas imaginer qu'il serait capable de les écrire. Et Victor Hugo, c'est la même chose. Et tout le monde, c'est la même chose. Senghor, c'est la même chose. César, c'est la même chose. Il faut prendre la plume, qu'il soit, que je vais écrire. Voilà.
D'accord, C'est très la bien. seule chose qu'il a prévue. Quand tu écris aussi, si c'est un roman, il ne s'agit pas d'écrire comme tel ou tel. Non. Non. Mais si tu as l'autre, comment il s'appelle, la manière dont il a construit son œuvre, comment il s'appelle Ahmad Kourouma. Comment? Oui. Hein? Cette œuvre spontanée. Parce qu'avec Ahmad Kourouma, est un grand surréaliste. Hein? C'est un grand surréaliste. Et parce qu'il a écrit comme écrivent les surréalistes. Alors, mais en écrivant comme ça, hein? Mais c'est parce qu'il a confiance en lui-même. Il a confiance en lui-même, il a sorti ce qu'il y a en lui. Mais sur ce qu'il y a en toi, peut-être qu'en sortant ce qu'il y a en toi, ce qu'il y a en toi n'est pas dans les autres. Oui, mais ça se trouve dans les autres, mais à l'état de quoi encore latent. Et tu réveilles ça. Ça va D'accord. le secouer. Parce qu'il faut toujours te mettre à la place de l'autre en écrivant. On n'écrit pas. Parce qu'on n'écrit pas pour soi, on écrit pour l'autre. Pour l'autre, tout à fait. Voilà, pour l'autre, Très toujours bien. pour l'autre. En tout cas, il faut d'abord, en premier lieu, avoir Et une avoir confiance confiance en en soi. soi. Effectivement. D'accord, c'est Voilà. noté et je pense que Et le puis, conseil. vous savez, pour ne pas croire que pour pouvoir écrire bien, il faut avoir un vocabulaire riche, Riche. énorme, beaucoup, un vocabulaire large. Non, il n'y a pas besoin de ça. Non, D'accord. non, non, non. Chacun de nous arrive à s'exprimer. C'est-à-dire utiliser les Personne goûts. n'a besoin d'un vocabulaire large pour exprimer le monde. Oui. Il ne Mais s'agit pas utilise d'écrire bien. de gros mots, des mots Mais pas du extraordinaires, tout. oui. Pas du tout. Tu n'as pas besoin de gros mots, tu n'as pas besoin de mots difficiles. Oui. Mais les mots les plus élémentaires, ce sont ces mots-là dont l'association arrive à créer des sous-coupes, court-circuits politiques. Politique, d'accord. Voilà, politique. Oui, Voilà. d'accord. C'est, par exemple, je vais vous donner un exemple. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure. Un verre de racine. Mais le jour, c'est très simple. Et voilà, on verre. Chaque mot a une syllabe. Donc ça veut dire que c'est une simplicité extraordinaire. Et tout tant que nous sommes, ceux qui nous écoutent et nous qui parlons, ces mots-là, nous les employons tous les jours sans pouvoir écrire de la poésie. Mais c'est leur agencement maintenant. Leur agencement. La manière de les marier, de les filer les uns aux autres. Oui. Qui crée la littérature. La La littérature, littérature. ce n'est pas dans le mot que la littérature existe. Non, on ne va pas à la recherche des mots. Ce n'est pas le mot, c'est l'union, l'association des mots. C'est ça qui crée la littérature. Et quand il dit, le jour n'est pas plus pur que le fond de mon De cœur. mon cœur. Il y a tous les mots ici, c'est une syllabe, une syllabe, une syllabe. Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. Mais ouais, comme c'est beau. C'est beau, très simple en Mais c'est plus. des mots très simples. Pourquoi vous le Oui, faites? C'est bon, c'est fait. Pourquoi vous ne absolument. le faites pas? Tout à fait. En tout cas, Mais pourquoi lui? la leçon, elle est retenue. Donc, il y a quelqu'un qui me dit déjà, Voilà. c'est en Voilà. écrivant pour soi qu'on écrit pour l'autre. Dixit Mahili Voilà. Gassama. Voilà. D'accord. Alors, j'ai une question pour vous très rapidement, grand-père, parce que là, nous sommes vraiment rattrapés par le temps. Alors, Ah oui. voilà, vous avez été aussi ministre de la Culture et vous êtes aussi voilà, d'une région qui est un creuset culturel. Avez-vous des projets pour l'actuelle région de Sédhiou dans le domaine culturel? Est-ce que vous avez des projets pour l'actuelle région de Sédhiou? Ah non, mais les projets, il doit y en avoir énormément. Énormément. C'est parce qu'on n'a pas voulu. Ils n'ont pas voulu faire ce qu'il faut faire. Mais il y a énormément de projets à Sédhiou. Sédhiou était d'abord une ville de rencontre que Sédhiou aujourd'hui a oublié. Que c'est une grande ville de rencontre. Vous avez là-bas des Juifs, les Libanais, Syriens. Vous avez tout ça. Mais tout ce passé-là a disparu. Or, ces gens-là, ce n'est pas des colonialistes, c'était des gens qui étaient avec eux, qui commerciaient avec eux. Il y avait le commerce, dans le sens propre, aussi bien que dans le sens figuré. Figuré. Voilà. Tout Donc, à fait. entre eux, il y avait des tas de choses. Ils ont oublié tout ça. Et on laisse la vie mourir. Mais parce que quelqu'un qui s'occupe pas du passé d'une ville, il laisse la vie mourir. La vie Effectivement. meurt. Oui, il meurt. Elle meurt. Mais comment voulez-vous construire l'avenir? Si vous n'avez pas le socle du passé, c'est pas possible.
pas possible. Perdonne ce que tu as détruit de son passé. Et ça, c'est dangereux. Une fois, je sais, ça fait 10 ans que je l'ai dit. J'ai dit, mais la rue là, la rue qui partait, la rue commerciale, là, qui était la rue commerciale, il faut lui donner le nom des grands commerçants qui étaient là. Mmh. Et des choses comme ça, mon père dit, mon père dit, c'est notre premier écrivain, un des premiers écrivains. En tant que romancier francophone, mm-hmm. le premier, Mapati Diagne. Oui. Mapati Diagne, voilà des gens qui sont. Les gens ne les connaissent pas. Il était de ces gens. Pour les valoriser, si nous ne valorisons pas les gens du passé, les gens d'aujourd'hui ne sont rien. Et demain, il n'y aura rien. Il faut valoriser les gens du passé. Et ça donne un certain. C'est du muscle. Les gens du passé constituent notre humus pour pousser, pour pousser nos enfants. Et pourtant, c'est tout le sens de l'initiation de cette initiative, c'est-à-dire notre émission, bien sûr. Il y a autre chose. Oui. Mais on s'amuse aussi en Casamance, quand même. Ça, il faut le reconnaître. On ne sait pas ce qu'on a fait. Vous savez, ce n'est pas à nous de dire ce qu'il faut faire. C'est à eux de savoir ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire. Oui, ce qu'il faut faire. Tout mais à vous fait. Savez, le ministre. Parce que. Oui. Voilà Moussa Dafé. A eu des initiatives extrêmement heureuses. Mm-hmm. Il avait créé un festival. Mm-hmm. Un festival de musique traditionnelle. Mm-hmm. Mais surtout de la chorale. Je lui ai dit ça, je lui ai dit. Ce festival de la chorale, il faut que ça continue. Ça continue. Mais non. Quand ils ont fait le festival de la chorale, ça a eu un succès énorme. Je dis, bon, mais très bien, on va faire autre chose maintenant que le la Coran. Ils ont fait venir sur le tambour de besoin, mais c'est tout gâchis. Il faut se. Séjour doit se spécialiser dans une chose qui lui soit propre. Mais je pense c'est que. Quelque chose qui est propre à Séjour, c'est pas le. Comment dirais-je. C'est pas le tam-tam et autres, c'est d'abord la Coran. Ils ont dû s'entêter à continuer à faire ce festival de Coran. Et que le monde entier, partout où il y a la Coran. Aujourd'hui, il y a la Coran, même en Amérique. Les Américains qui sont venus, qui ont appris la Coran et qui savent très bien jouer la Coran. Même en Amérique, là, ce soir, on a lieu de festival de la Coran. Mais non, il ne faut pas. Il ne faut pas parce qu'il faut faire ceci, il faut faire la Coran, mais il faut penser aussi. Mais on ne peut pas penser à tout en même temps. Et je rappelle que le ministre de la Culture actuel du Sénégal, il est de Séjour. Oui, il vient d'arriver. Mais espérons. Voilà, donc voilà, il y a des tas de choses à faire à Séjour. D'accord. N'est-ce pas? Surtout sur le plan de la culture. Parce que si Séjour insiste sur la culture, mm-hmm. vous savez, la culture apporte le développement. Le développement, tout à fait. Vous imaginez tout le tourisme qu'il y aura là-bas. Mm-hmm. S'il y a ce festival de la Coran, mais uniquement de la Coran. Je suis spécialisé dans ça. Mais ils ne veulent pas. Et aujourd'hui, la Coran a réussi. Bon, je me suis dit, pourquoi pas faire avec le tam-tam, pourquoi pas faire avec le balafon, mais non, mais choisissez quelque chose qui oui. soit le propre de la ville. Absolument. À part de ça, maintenant, il y a beaucoup d'autres choses que ce qu'on aurait pu faire. Aurait pu faire. Et c'est dommage que l'action, la musique, parce que c'est à risque dans ce domaine-là, c'est dommage que l'action de la musique ne soit pas soutenue. Et c'est vraiment dommage. C'est parce dommage. Que, mm-hmm. D'abord, c'est notre capital mandingue. Oui. Il n'y a pas, dans le monde africain, mm-hmm. une communauté dont la musique mm-hmm. a atteint un degré de perceptibilité que celle de Séjour. De mandingue. Nous avons la meilleure musique de l'Afrique, une des meilleures musiques de l'Afrique. Pour ne pas choquer les autres. Les autres pour oui. moi, c'est la meilleure musique de l'Afrique. Et pour Seymour, c'était la meilleure musique de l'Afrique. Et pour beaucoup d'autres personnes, honnêtes, c'est la meilleure musique de l'Afrique, même s'ils ne sont pas mandés. D'accord. Bon, il y a ça. Et bon, Séjour est au centre mm-hmm. Sénégal, Gambie, oui. Comment ça s'appelle Guinée-Bissau, oui. Guinée-Conakry, oui. Il est au centre là-bas et ces gens n'ont pas de mandingue. Et ils ont créé une radio locale. Cette radio passe tout son temps à parler d'autres langues que le mandingue. Ah, mais d'autres musiques que la musique mandingue.
Ils ne savent pas que si eux, ils mettaient la musique mandingue, s'ils exploraient la musique mandingue, ils seraient beaucoup plus écoutés que les radios sénégalaises. Tout Même à la fait. radio nationale du Sénégal, dans la sous-région que. Parce que dans la sous-région qu'on prend le mandingue. Ils ne voient pas ça. Non, tout le monde parle de Wolof. Ils vont faire Wolof. Wolof, oui. Wolof, tu n'es pas la page. Mais bon, Effectivement. je n'ai rien contre le C'est Wolof. dommage. Absolument rien. Mais vous avez une musique absolument extraordinaire, Zakora, qui a disparu maintenant de notre folklore médiatique. Dans les médias qui n'entendent plus là-bas. D'accord. Mais quelle est la musique, mon cher ami, plus douce, qui emporte l'être humain si haut dans les nuées que la Cora? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est la musique de majesté. Très bien. C'est la musique des majestés. Parfait. Moi, je ne sais pas si au terme vous l'acceptez, mais c'est la musique des majestés. Très bien. Quand on joue la Cora d'ailleurs, faites attention à une chose. Quand vous jouez d'autres musiques, vous avez envie de vous remuer, de faire n'importe quel geste avec le corps et autres. Mais quand on joue la Cora, vous avez envie de dominer votre milieu. Vous avez envie de dominer le monde. Quand on joue la Cora vous donne des ailes. Et c'est pourquoi d'ailleurs, c'est très difficile d'onquer les chefs d'État de Guinée. Parce que, avec la musique guinéenne, mais ils sont toujours aux anges. Ouais. Je te dis, c'est la musique de la Non, majesté. mais effectivement, c'est ça que je voilà. voulais dire. Langue locale locale, et merci beaucoup. explorer également les cultures locales. Eux, ils sont là en train d'explorer les cultures des autres. La radio de Tsegou, je vous parle de la radio de Tsegou que j'écoute. Voilà, c'est beaucoup plus, comment encore, voilà, que les radios que j'ai, certaines radios que j'entends ici. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'était pour les c'est local, dans le terme, dans la terminologie, il y a la notion de local. Je ne sais pas comment ils les appellent, les radios communautaires. Oui, absolument. Et malheureusement, aujourd'hui, quand on ne parle pas les autres langues à travers ces radios, ouais, tout à fait. Tout à fait, je comprends. Côté d'abord. Et je pense qu'on aura l'occasion. Tout à fait. Comportement, il faut qu'il est le centre d'une culture, d'une richesse extraordinaire. Extraordinaire, d'accord, voilà. Parfait. Il est le centre d'une culture, d'une richesse extraordinaire. Extraordinaire. Après, voilà. Donc, et c'est aux enfants de. Que c'est difficile de construire des choses. Voilà, c'est aux enfants de Séju de construire Séju, c'est aux enfants de. Je voudrais quand même, avant de terminer, je voudrais vous dire, plus simplement, ce passage de Sido Côte d'Abou, d'une très grande richesse. Un jour, il était dans sa case en train de faire du chapelet. Et puis, il entend du bruit autour de sa case. Il ne sait pas de quoi il s'agissait. Écoute bien, je vais terminer par ça. Alors, il entend ce bruit, ce foufou, ce machin. Alors que lui, il était là avec Dieu, avec ce chapelet. C'est-à-dire, il regarde vers la fenêtre. Il dit, Intagnol de l'Embala, Afagnol de Kuntula, Ntegan ira de la Ila,
Algérie, il fallait baisser au Rouba. Avec ce verre-là. C'est la recette, ce verre. Je vais parler très brièvement du verre. Oui. Tu sais, l'intérieur de Kuntula. Kuntula, le terme Kuntula, c'est un terme péjoratif. Péjoratif, oui. C'est un terme péjoratif qu'il a employé, et ça, c'est une richesse extraordinaire dans ce milieu. L'intérieur de Kuntula, enfin, de Lemba. Or, Lemba aussi, c'est la même chose, c'est péjoratif. Parce qu'il y a un autre terme qui aurait pu le remplacer. Il y a un terme qui aurait pu remplacer les deux. Les deux, oui, tout et à fait. Ces termes-là, il les a écartés. Et c'est que c'est ça qui convient ici. Vous voyez comme c'est beau. Oui, très beau. Ouais, c'est très beau. L'intagnol de Kuntra. L'intagnol de Kuntra. L'intagnol de Tal et Benal. L'intagnol de Kuntra. L'intagnol de Lembala. Lembala. L'intagnol de Kuntra. Ouais. Mais le mot Binta, au lieu de dire des femmes, il dit Binta. Binta. Le mot enfant. Enfant. Au lieu de dire les hommes, oui. Mais tout les ça, talibés. C'est choisi. Ouais. C'est un choix, c'est une recherche. Ouais. Binta n'y a de compte là-bas. Mais le plus, là où il a été extraordinaire dans le maniement de la langue, mandingue. Oui. Et c'est ce que les Français appellent la licence, et puis que c'est-à-dire seuls les grands poètes sont autorisés à faire ça, à faire ça. Comme Victor Hugo, comme Baudelaire, mais surtout Victor Hugo, en a abusé. Là où il dit, après Nyol de Kuntula, l'intagnol de Lembala, après Nyol de Kuntula, l'intagnol de Lembala, il a coupé. Il a coupé. Dans le langage courant, tu dois dire, tu es gamin, mais là, il est là. Effectivement. Mais ce n'est pas beau en poésie, parce qu'il y a trop de consonnes mouillées. Oui. De consonnes mouillées. Tout à fait. Vous comprenez? Oui, je comprends. Tu es gamin, mais là, il est là. Il y a le nombre de là qu'il y a. Effectivement. Il y a une consonne mouillée. C'est très difficile à prononcer. Tout à fait. Tu es gamin, mais là, il est là. Et sinon, tu es gamin, mais là, il est là. Là, il est là. D'accord. Alors, il dit Yari Fan, il est Seurba. Non, il devrait dire Yari Fan, il est Seurba, Lela. Seurba, Lela. Lela, là, ça aussi, avec les consonnes mouillées, ça ne fait pas poétique. Poétique, d'accord. Tout à fait. Il dit Yari Fan, il est Seurba. Mais ça, c'est des choses à enseigner à nos enfants. À nos enfants. À nos enfants. La beauté de la langue. La beauté de la langue. Leur sensibilité. Pour les langues plus humaines. Oui. Pour les langues plus humaines. Tout à fait. Oui, c'est ça, la poésie, c'est ça. C'est pour rendre le monde plus humain. Plus humain. Pour humaniser le monde. Effectivement. Voilà. Mais nous voulons, nous refusons tout. On a les regards fixés ailleurs. Ailleurs. Il a fait ce qui compte aujourd'hui, c'est l'argent. L'argent. Voilà. L'argent. En tout cas, vraiment, merci beaucoup, grand-père Maïli. En tout cas, ça a été un très, très grand plaisir pour nous, vraiment, parce qu'on a eu à faire pratiquement 3 heures de temps. Ouais. Le temps passe tellement vite. Alors là, oui, il y a même des... Effectivement, il y a tellement de questions, même que je n'ai pas pu poser, parce que tellement que nous sommes rattrapés par le temps. Mais... Assez Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Donc, je ferai tout encore. Voilà. Tu organises ça avec tes collaborateurs. Effectivement, je vais essayer d'organiser ça avec mes collaborateurs. Tout à fait. Il ne faut pas les fatiguer trop. Effectivement. Tout à fait. En tout cas, ça a été un très grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Voilà. Donc, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est le deuxième numéro de notre émission qu'on a intitulé L'histoire de nos légendes. Donc voilà, je l'ai réfléchi tout simplement pour essayer quand même de faire reconnaître nos légendes et de nous expliquer leur parcours afin que nous, jeunes générations, bien sûr, on puisse avoir quelque chose et savoir que rien n'est tombé du ciel et vous avez aussi eu des parcours très difficiles que vous avez truqués. C'est pour cela qu'aujourd'hui vous êtes arrivé aujourd'hui là où vous êtes. Donc en tout cas, ça a été un très grand plaisir et je vous laisse
Quel est votre dernier mot pour nos chers internautes qui sont en train de nous C'est suivre? pour vraiment vous remercier et remercier aussi les jeunes qui sont en train de nous écouter, depuis 3 heures de temps. Je pensais n'avoir fait qu'une heure ou 30 minutes, mais c'est 3 heures Oui, de temps. trois heures. Et moi, je suis passionné par ce que je dois leur dire. Alors, et c'est dans le cadre vraiment strict de formation. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est que je vous ai parlé avec spontanéité. Oui. Je n'ai pas préparé, je n'ai pas cherché oui. à écrire quoi que ce soit Oui. d'artificiel. Oui. Je vous ai parlé avec beaucoup de spontanéité, vous Spontanéité. qui êtes devant moi. Très important. Voilà. Alors, et ça, c'est très important. Donc, ça veut dire tout simplement que tout ce que je leur ai dit vient du très fond de mon cœur. Cœur, oui. Voilà, Tout à c'est fait. vraiment très sincère. Voilà. En tout cas, eux aussi sont en train de vous remercier de partout. Ils vous prient encore, Merci ils prient beaucoup. pour vous, Merci pour que, voilà, Allah vous prête une très beaucoup. longue vie. Alors, je suis à votre disposition. Si vous voulez qu'on traite un sujet, je suis prêt Inch à le faire. Inch'Allah, il n'y a pas de Je suis souci. prêt à le faire. Comme on dit chez Voilà. nous, en tout cas, Almi Melanya, Kimin, Kamel, Alno, Fe, que Simani, Et puis Ndiate, il y a Kendiadil. autre chose Inch'Allah. aussi que je peux vous promettre. Oui. C'est-à-dire pour votre domaine, s'ils veulent avoir des informations précises sur une discipline donnée, qu'ils me le disent, je peux vous mettre en contact avec un grand spécialiste D'accord. et qui peut se prêter à vos questions. D'accord, il n'y a pas de souci. Ouais, là aussi, il y a ça. Il On n'y a, économise y a pas de le souci, franc en tout cas. CFA. Comme le franc CFA, quelqu'un peut Oui. venir. Voilà, je peux vous mettre en contact avec quelqu'un qui parlera du franc CFA. Voilà, des D'accord, choses comme ça. Voilà. il n'y a pas de Allez. souci en tout cas, grand-père, et merci beaucoup vraiment. Je vous en prie. À Voilà, bientôt. et Hein. donc à très bientôt, Inch'Allah, et merci Merci beaucoup beaucoup. d'avoir Allez, répondu au à notre revoir. Merci beaucoup. invitation. Merci beaucoup et merci pour Merci. la disponibilité surtout. Merci et bonne Merci soirée à vous. beaucoup. Merci. Et bonsoir à tout le monde. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au Merci. revoir. Alors, chers internautes, voilà, comme vous le savez, aujourd'hui, capture d'écran, nous avions comme voilà, invité grand-père Mahili, ancien ministre de la Culture sous le règne d'Abdou Diouf, vraiment. Ça a été un très grand plaisir aujourd'hui de le recevoir et je pense que vous aussi qui nous suivez, vous avez pu quand même tirer beaucoup d'enseignements et surtout parce que ça a été riche en enseignements et en émotions, bien sûr. Il nous a enseigné beaucoup de choses. Donc, j'espère que ça vous a plu, bien sûr. Donc, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre invité, bien sûr. Certainement, ça sera le samedi prochain, Inch'Allah. Donc, comme on vous l'avait promis, de toute façon, ça sera toujours ainsi. On va essayer quand même de faire, voilà, d'essayer quand même d'inviter quelques-uns, quelques personnalités, bien sûr, même si ce n'est pas des personnalités aujourd'hui, même des jeunes talents aujourd'hui qui sont en train de chercher quelque chose pour être, voilà, pour devenir de grandes personnes, de fortes personnalités, comme vous le voyez, comme le grand-père Mahili Gassama et autres aujourd'hui. Donc, de toute façon, ça sera ainsi. Donc, nous vous donnons rendez-vous très prochainement, Inch'Allah, ça sera le samedi prochain. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une agréable fin de soirée. La présentation, Mohamed Sanoussi Diaby. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde.